Bonsoir à tous, il est 19 h 2 déjà, je suis un peu en retard, nous sommes le 13 septembre et je démarre donc ce direct Facebook avec vous. Donc je vais attendre que vous vous joigniez à moi. Vous m'avez manqué, ça fait un moment que je n'avais pas fait de direct et que j'avais envie d'en faire un, hein. donc ça tombait très bien ce soir. Ah, salut Aurélia, ma pauvre Aurélia qui m'attend. <laughs> J'ai un article à lui remettre encore. Donc je vais laisser ce, ce, ce direct sera euh, ce direct sera laissé en replay sur mon profil Sandra Doucet. Donc euh, j'avais publié sur mes groupes euh, et sur ma page en indiquant que ça se passerait ici sur mon profil. Donc euh, venez ici, <laughs> venez ici, c'est là que ça se passe. J'en je, profite pendant que vous arrivez. Je vais, mettre, je vais suivre le, le live en même temps sur mon ordinateur. Ça sera plus simple pour voir vos questions. J'espère que j'arriverai à lire toutes les, toutes les questions que vous mettrez. En tout cas, merci déjà d'être aussi nombreux. Qu'est-ce qui bug Je vais rajouter les données mobiles. J'ai mis le Wi-Fi. Mais je vais peut-être rajouter les données mobiles pour voir si ça fonctionne mieux. <laughs> Florence le boucher bonjour, qui a ses écouteurs et qui m'écoute du travail comme elle l'avait dit. Moi, je veux pas de souci avec ton patron, hein. Fais attention. <laughs> merci Fred, merci à tous d'être là. Alors, je vais je vais pas vous regarder en face, hein, je regarde en même temps l'ordi et en même temps l'écran euh, pour euh, ne pas louper de questions tout à l'heure. C'est surtout ça. D'accord Merci Sandrine. Mauvaise connexion, ouais, c'est possible. Il pleut chez moi. Hein. Il, a, il fait vraiment très très moche. Donc ça n'aide pas, pas. Donc ce live ce soir euh, aura pour thème les guidances, les contacts défunts. Euh, pour qui Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'une séance de guidance Quand peut-on faire un contact défunt euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre Qu'est-ce qu'il faut attendre ou pas, justement voilà donc euh, c'est un petit peu euh, un fourre tout mais parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de nouveaux contacts sur ma mon profil et je vous en remercie donc certains m'ont pas encore vu en direct donc j'en profite pour les saluer les remercier de leur confiance et, euh, et comme dit on va discuter un petit peu de tout ça ce soir j'en profite pour vous rappeler avant de commencer, que je ferai un direct lundi soir avec euh, mon ami Mode Décan, Mode Medium. Donc ce sera sur mon profil et je l'inviterai sur le direct et euh, je vous rappelle aussi si vous ne le savez pas déjà qu'il y a deux conférences de prévues. Alors il y en a une pour laquelle il reste peut-être très 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 peu de place. C'est à Strasbourg euh, le 30 septembre prochain donc euh, dans 15 jours avec de Mort qui m'a gentiment invité à sa conférence pour faire la première partie où je parlerai ben où la thématique sera quand la médiumnité s'impose euh, ce qui est un peu mon histoire et euh, en fin, de, en fin de, de de séance de journée euh, je, je ferai avec lui des messages de vos défunts vous qui viendrez avec des photos de vos défunts donc ça, c'est le 30 septembre, il y a encore quelques places. Vous pouvez aller sur le site, sur l'événement d'Etane, pour acheter votre place. Donc c'est à Strasbourg euh, le, le 30 septembre prochain. Euh, et il y a le 21 octobre, Johan Medium, qui revient euh, me voir en Alsace. On a trouvé une salle. Merci au passage à Claire qui s'en est occupée. Et donc, nous serons à La Broque. La Broque, c'est à 20 minutes de Molsheim. C'est à à peu près 40 minutes de Strasbourg. Et nous serons euh, donc en conférence euh, médiumnique. Alors, pareil, ça sera un partage questions-réponses. On expliquera, voilà, comment il est devenu médium, comment je le suis devenu, comment ça s'est... C'est pas qu'on l'est devenu, mais comment ça s'est imposé à nous. Et pareil, euh, à la suite de ça, il y aura euh, des contacts euh, défunts euh, sur photo, donc euh, le je, je vous répète donc le 30 septembre avec Ethan, à euh, voir sur son site internet etanmore.com, il me semble et pour les réservations avec mon ami Johan ce sera euh, via ma page vous pouvez me contacter me dire que vous réservez euh, les billets il n'y a pas de billets en fait faut réserver et vous pourrez régler sur place voilà. Donc je vois que tout le monde est là vous êtes 47 c'est génial vous êtes vraiment adorables. Euh, j'en je, je, profite quand même pour vous remercier de m'avoir porté jusque là. C'est vraiment pas de la fausse modestie, mais je suis hallucinée tous les jours. Je, je me rends compte de cette chance que j'ai d'être installée à mon compte et d'avoir euh, votre confiance. Euh, vous m'avez emmenée jusque là et vraiment merci du fond du cœur. Voilà. Ok, bah écoutez, on va commencer. Donc la, thème, merci pour les cheveux, c'est gentil. Donc j'en profite pour dire merci à ma coiffeuse Karine. Et les bijoux, que vous connaissez, sont de chez de chez mon ami l'essentiel Lune à Dinsheim que vous pouvez trouver sur Facebook. Donc voilà, j'ai fait sa petite pub, mais parce que j'ai vraiment confiance en ce qu'elle fait, c'est des pierres de très bonne qualité. J'ai jamais eu de souci avec. Donc j'en profite pour vous les montrer. Ok, on y va, on va commencer, donc les guidances, les contacts des fins, c'est ce que je fais quasiment tous les jours, alors c'est vrai que je ne, je ne peux plus publier autant de vidéos qu'avant, parce que voilà, les, les, les séances de guidance sont quand même des fois très intimes, les séances de contacts des fins aussi, euh, donc euh, voilà, il y a moins de publications, mais ça n'empêche que voilà, j'en fais deux ou trois par jour, ce qui est quand même assez fatigant. J'anime aussi un groupe de coaching d'entraînement médiumnique. C'est un groupe secret, je l'ai voulu comme ça, pour y mettre vraiment les gens que j'ai en guidance et pour lesquels je découvre pendant la guidance, grâce à leur guide justement, mais qu'elles ont des facultés médiumniques et qu'elles doivent un peu s'entraîner pour les utiliser. Donc je gère aussi ce groupe. Et euh, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma page Google, donc voilà, il y a de quoi s'occuper tout le temps, il y a du boulot. Et comme vous le savez, je fais aussi avec Yann Ham, qui est donc mon mari, parce qu'il y en a certains qui ne le savent pas, euh, je fais aussi des dégagements d'habitation de, et de personnes avec lui, nous venons sur place. Euh, nettoyer euh, des maisons énergétiquement. Alors nettoyer, le terme n'est pas très joli, mais bon, voilà, il faut des fois faire un peu de, de ménage énergétique euh, quand des âmes restent là et il faut les renvoyer sur leur plan d'origine ou certaines, il faut les aider à passer dans la lumière. Donc euh, on s'occupe de ça avec Yann aussi. Euh, et, euh, et à distance aussi, il le fait aussi. Voilà. Donc si vous avez des, des ressentis bizarres dans votre maison, n'hésitez pas à lui écrire directement en lui envoyant les photos. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis coucou à tous. Merci, merci d'être là et on va attaquer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je ne pense pas avoir raté de questions pour l'instant. Euh, merci à tous pour vos compliments. Voilà. Euh, on va attaquer et on va parler tout de suite des guidances. Euh, voilà, c'est une prestation donc euh, que je propose depuis maintenant trois ans. Euh, les guidances, qu'est-ce que c'est Alors, euh, les guidances sont euh, des séances où je me connecte à vos guides. Alors il y a les miens qui sont avec moi bien évidemment, mais je me connecte à vos guides pour. Euh, euh, alors je vais pas lire les questions tout de suite. Hein. Je me connecte donc à vos guides à vous euh, pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. En fait je suis leur voix. Je suis une boîte aux lettres. Je suis une messagère tout simplement. Donc euh, je vais vous dire à haute voix. Ce que vos guides ont à vous dire. Donc, je commence généralement la séance en demandant à mes consultants euh, quelle est leur problématique. Juste me dire dans les grandes lignes, surtout pas de détails. C'est à moi de donner les détails. Euh, ce n'est pas. Euh... Alors, je montre juste. Je demande quel est le symbole que j'ai autour du cou. C'est juste une pierre en œil de tigre avec un soleil pour renforcer. Voilà. L'œil de tigre étant une pierre de protection. C'est pas vraiment un symbole, mais en tout cas c'est une pierre de feu et elle représente le feu. Et ma maman qui était lion, je trouve que ça lui ressemble bien, donc j'ai voulu le mettre en hommage à ma maman ce soir. Voilà. Ok, donc on continue. Euh, je, je ouais, donc euh, quand j'arrive en séance avec mon consultant, je vous rappelle que ça se passe par vidéo messenger, euh, essentiellement de temps en temps par téléphone. Euh, voilà, je lui demande quelle est sa problématique, qu'est-ce que, de quoi il veut qu'on parle. Alors, généralement, c'est professionnel, personnel, ou alors, des fois, ils savent pas du tout, ils sont juste perdus et bloqués dans leur vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, je demande tout simplement déjà à ses guides, donc à mon consultant, mais qui est alors on va l'appeler euh, Germaine, <laughs> histoire de trouver un pseudo un peu rigolo. Pardon s'il y a des germaines. Enfin voilà, j'ai demandé qui est Germaine. Et du coup, là, les guides se connectent. Je me mets en connexion avec eux et me disent, bah voilà, euh, Germaine, elle a ça et ça comme problème en ce moment. Elle a ça et ça qui lui tournicote dans sa tête, qui n'en sort pas. Euh, ou alors on me dira tout de suite, bah attention, euh, Germaine, dis donc, elle voit des choses, elle entend des choses. Donc voilà, d'entrée de jeu les guides euh, nous emmènent tout de suite sur le chemin qu'il faut prendre pour la guidance c'est une lecture d'âme d'accord ah salut Stéphanie ça me fait plaisir de voir que tu regardes euh, j'espère que mes autres collègues vont bien aussi mes anciens collègues à qui je pense très très fort tous les jours euh, donc c'est une lecture d'âme ça veut dire que vraiment avec vos guides je vais venir euh, lire ce qu'il y a à l'intérieur de vous euh, si, si vous voulez c'est de la voyance si vous voulez c'est de c'est la voyance mais sans support de toute façon. D'accord Je n'utilise pas de carte, je n'utilise rien, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Voilà, ça vient comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle de la canalisation. Donc à quoi ça peut servir une guidance Mais tout simplement à vous éclairer sur des choses qui sont bien plus essentielles que ce que vous pensez. Ça veut dire que vous venez vous avec ce qui vous semble être un problème dans votre vie et au final, euh, les guides, ils vont vous amener sur carrément autre chose. Euh, mais eux, iront à l'essentiel parce que il y a des problèmes dans notre vie qui peuvent être matériels ou euh, sentimentaux, enfin voilà, et qui ne sont pas vraiment le problème euh, important avec lequel euh, il faut qu'on discute avec vos guides. Eux, iront à l'essentiel. Alors très sincèrement, euh, il est toujours assez drôle de voir. Que la personne des fois veut pas qu'on sache des choses. Elle veut pas qu'on euh, euh, qu'on. Attendez, je vais enlever les commentaires les enfants parce que sinon je ne peux pas y arriver. Euh, les 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 personnes qui viennent en guidance des fois cachent des choses, ne veulent pas tout dire parce que voilà il y a des choses. Elles, elles pensent que c'est sont des secrets ou n'importe. Mais les guides, franchement, ils tapent à chaque fois dans le mille. Ils vous connaissent mieux que personne. Qu'est-ce que c'est un guide Alors, si certains se posent encore la question, un guide, ce sont vos meilleurs amis. C'est comme un parrain marraine que vous avez et qui est avec vous de votre incarnation à votre désincarnation. Ça veut dire de votre naissance jusqu'à l'heure de votre mort physique terrestre et qui resteront avec vous. Vos guides, vous pouvez les entendre comme certains ne peuvent ne pas les entendre. Ce sont eux qui vous envoient des synchronicités. Qu'est-ce que les synchronicités Ce sont ces, ces ces hasards que vous avez. Alors que nous savons tous Maintenant que le hasard n'existe pas. Mais les synchronicités, voilà, ce sont ces signes que vous recevez et qui euh, peuvent apparaître plusieurs fois dans une journée. Ou euh, voilà, des, des choses où vous vous dites mais c'est quand même dingue, ça, ça fait trois fois que je vois euh, une pub euh, une, dans une revue pour du magnétisme, ou alors j'ai entendu cette chanson, ou alors j'ai lu ce texte que tel défunt euh, aimait bien. Voilà, nos défunts et nos guides nous envoient des signes et ce sont ce qu'on appelle des synchronicités donc euh, les défunts peuvent aussi s'inviter pendant les guidances ça peut arriver c'est déjà arrivé voilà qu'un défunt a quelque un message à donner à, à son au consultant pour, euh, pour le rassurer ou pour euh, lui donner une information importante. N'oubliez jamais ça. La guidance, ce n'est pas de la voyance pure. Si vous voulez de la voyance pure, il faut aller voir un voyant qui, lui, va vraiment vous dater dans le temps. Enfin, tout au moins va essayer de vous dire, bah, écoute, voilà, dans trois mois, tu changeras de travail, ou l'année prochaine, tu vas te marier, ou dans six mois, tu vas rencontrer un beau blond. Voilà. Ça, c'est vraiment de la voyance. Dans la guidance, il arrive, que, bien évidemment, très souvent que j'ai des flashs comme ça quand on me pose des questions, mais il arrive aussi que je n'ai absolument pas les réponses. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans de la voyance avec un support euh, comme les cartes. On est vraiment dans la canalisation. Les guides sont là pour votre bienveillance, euh, pour vous faire avancer, pour vous mettre le nez très souvent sur un problème que vous voulez pas voir. Euh, J'ai un peu l'habitude que mes guidances soient des coups de pied au derrière. Alors, euh, ceux qui en ont déjà eu avec moi ont un peu l'habitude et me l'ont confirmé. C'est souvent des coups de pied aux fesses, hein, on ne va pas se mentir. Mais toujours pour le bien. Souvent, pendant une guidance, euh, on détricote le problème. On va vraiment chercher d'où ça bloque, d'où ça vient. Et très souvent, bah écoutez, oui, on met vraiment le doigt dessus et les consultants vont beaucoup mieux. À ce propos, j'invite vraiment les gens qui ont eu des guidances avec moi et des contacts défunts euh, à mettre un petit mot sur euh, mon livre d'or ou sur ma page ou où ils veulent ou sur Google. C'est égal. C'est vraiment pour inciter les autres à franchir le pas. C'est pas pour faire euh, pour flatter mon ego, ça m'est complètement égal. Je pense. Et j'ai l'humilité de dire que j'ai plus rien à prouver. Je dois être honnête avec moi-même. C'est ce que je vous ai écrit l'autre jour et en accord avec moi-même. Et je le suis enfin. Ça y est. Euh, donc, j'ai j'ai rien à prouver à personne. Je ce que je fais, euh, je le fais en toute bienveillance et avec respect pour vous, pour vos défunts, pour vos guides. Donc, ça se passe très bien. Voilà. Donc ça c'est pour les guidances, ça fait énormément de bien aux gens. Je le propose en séance de 30 minutes ou d'une heure. Alors très souvent 30 minutes c'est pas suffisant, une heure c'est quand même beaucoup plus, euh, ça apporte beaucoup plus. D'accord Voilà. Alors je vais essayer de voir si vous avez mis euh, des questions déjà concernant les guidances, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, bah j'ai rien préparé, hein c'est comme d'hab. Mais c'est pas grave, moi je préfère quand c'est comme ça. Alors François qui nous dit mes guides doivent être très timides. Non. Alors, c'est une, une bonne réflexion, euh, Françoise. Donc, c'est Françoise son vrai prénom. Quand les guides ne nous donnent pas beaucoup d'informations, euh, c'est que nous avons des choses à travailler sur nous-mêmes. Ils vont pas non plus tout nous donner tout cuit. Euh, moi, comme dit, je suis leur bouche. J'aide des fois, j'explique ce qu'ils veulent dire. Je, on va vraiment au fond des choses. Hein. Mais il y a aussi des choses doit, euh, sur lesquelles on doit travailler nous. Euh, donc les guides ne sont pas timides. Les guides nous donnent des éléments et il faut qu'on travaille dessus. C'est super important de savoir se remettre en question, de savoir accepter même quand on n'est pas d'accord avec ce que nos guides peuvent nous dire. C'est là que le mental et l'ego s'en mêlent et ça c'est très très compliqué justement de dire à notre à notre mental de ster et à notre ego de se faire tout petit. C'est vrai que des fois ça fait un petit peu mal à l'ego, j'en conviens. Mais euh, je choisis toujours mes mots, j'essaie de faire au mieux pour pas blesser la personne parce que des fois, ils n'y vont pas de main morte, hein, j'aime autant vous dire. Mais, euh, mais voilà, les guides ne sont pas timides, les guides nous disent ce qu'il y a à dire. La seule chose qu'il faut savoir, si vous avez déjà fait une guidance, si vous avez déjà fait euh, une voyance euh, dans les semaines ou les mois qui ont précédé, ne soyez surtout pas étonnés qu'au jour du rendez-vous, il euh, n'y a rien à dire. Ça peut très bien arriver. C'est arrivé très exceptionnellement. Euh, c'est vraiment euh, 1% ou 2% euh, du 1% ou 2% de, de, de des consultations. Mais quand c'est le cas, c'est que soit la personne a vu un voyant, soit la personne a vu un médium, soit elle était à une conférence et voilà, elle a eu ses réponses. Soit euh, elle est dans le déni, elle veut juste pas entendre ce qu'on lui a déjà dit, ou soit euh, elle est en capacité de communiquer avec ses guides et de savoir ce qu'ils ont à lui dire. Ça peut arriver aussi, et ça je l'ai de plus en plus. Je pense qu'une de mes nouvelles missions, c'est aussi ça, c'est d'éveiller les consciences. Je ne sais pas pourquoi euh, on m'a choisi pour ça, mais toujours est-il que j'ai énormément de gens qui viennent en consultation et à qui, euh, voilà, une fois de plus, moi je l'avais déjà dit dans un précédent live. Mais euh, où on, je remarque que ces personnes-là, effectivement, ont les capacités euh, médiumniques ouvertes, le troisième œil, euh, ainsi que leur chakra coronal, et que du coup, bah, elles sont totalement en capacité d'entendre. Alors c'est toujours assez drôle de dire "Mais écoute, tu entends euh, on, me, on me dit que tu entends euh, tes guides, et on me dit "Oui, oui mais je ne sais pas si c'est mon ego ou mon mental euh, ou euh, mes guides." Ben non, très très sincèrement, c'est très 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 souvent les guides. Alors pour rebondir là-dessus. Comment on fait la différence entre le fait que ce soit son mental ou euh, que c'est justement ses guides Alors, j'ai dû expliquer ça, je crois trois ou quatre fois cette semaine. On est quoi On est à peine jeudi et j'ai eu trois ou quatre personnes cette semaine à qui l'expliquer. Donc, euh, quand c'est négatif, quand on vous rabaisse un petit peu, quand ce n'est pas dans la bienveillance, c'est très souvent le mental et l'égo qui s'en mêlent parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ça, c'est la première, euh, le premier. Premier indice, si vous voulez. Ensuite, le, le mental, de la même manière, euh, quand vous entendez, dans votre tête, on est bien d'accord, c'est souvent le je. Et quand c'est je, c'est dans l'ego, une fois de plus, et c'est le mental. Par contre, quand on vous parle avec bienveillance, quand vous sentez qu'on vous pousse à quelque chose... Euh, que l'idée vous vient comme ça, je vous dis, bah tiens, comment ça se fait là maintenant Ah bah oui, j'ai la, la bonne idée. Ça, ce sont vos guides. Appelez le, vos guides, votre intuition, votre âme. Dans la, de toute façon, ça vient de vous. C'est votre part divine qui reçoit ces messages et ça ne vient, ça ne vient pas de votre mental ni de votre ego, d'accord Donc ça, c'est très important aussi euh, faire cette part des choses et de se faire confiance. Alors, c'est très difficile de se faire confiance. Ça vient avec l'exercice. C'est pour ça que moi j'ai créé ce groupe de, de coaching et d'entraînement. Euh, voilà on s'exerce on n'a pas peur euh, de se mouiller on n'a pas peur d'essayer on a il faut pas avoir peur d'être jugé personne ne juge on est là pour s'entraîner il faut une première fois à tout et euh, à un moment il faut sauter dans le grand bain tout simplement donc euh, voilà ça sert à ça sachez que tout le monde n'est pas euh, amené à faire de la médiumnité même s'il entend ses guides euh, ça peut servir tous les jours c'est juste qu'on redevient ce qu'on est vraiment c'est-à-dire un esprit dans un corps humain incarné donc on est juste tous tous autant que vous êtes là tous vos familles vos enfants vos patrons euh, les politiques qu'on voit à la télé n'importe qui nous sommes tous des esprits incarnés avec une mission de vie dans euh, dans cette vie terrestre là tout simplement personne ne vaut plus personne ne vaut moins on est tous pareils d'accord ça, il faut le savoir, il faut en être conscient et ça peut nous aider aussi à prendre du recul sur les situations qu'on vit. On a choisi, avant de s'incarner, euh, des fois des choses extrêmement difficiles, comme le handicap, comme la souffrance. Euh, voilà, on choisit des cas extrêmes, mais on l'a choisi. Euh, certes, c'est difficile à comprendre, on peut se dire, mais comment on a pu C'est simplement qu'on avait besoin, si on prend ce recul nécessaire et qu'on se rend compte qu'on est un esprit et non pas un humain, et c'est là qu'est toute la différence. Euh, on peut comprendre que voilà, on avait ça à tester dans cette vie-là pour savoir ce que ça fait. Et sachez que d'une vie à l'autre, parce que nous nous réincarnons jusqu'à ce que nous soyons vraiment, euh, euh, nous avons tout appris et tout expérimenté, et on a des choses, une vie où on va beaucoup souffrir, une autre vie où on fera souffrir, voilà, on n'est pas à l'abri. Euh, Moi-même, j'ai dû pardonner quelque chose que je trouvais impardonnable, j'estimais avoir énormément souffert dans ma vie. Et on m'a mis le doigt dessus lors d'une guidance en me disant mais attention, dans une autre vie, euh, t'étais pas mieux. Tu as aussi fait souffrir, tu as aussi fait du mal. Là, ça pique l'ego, hein. j'aime autant vous dire que ce n'est pas facile, mais que quand on prend du recul et que vraiment on se rend compte qu'on est un esprit incarné, bah, du coup, voilà, ça fait un peu moins mal. On prend du recul là-dessus et on arrive à avancer dans la vie. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair ce que je vous explique. Je vais essayer de remonter un tout petit peu. Euh, dans, euh, dans les commentaires. Alors je vois qu'Aurélien nous dit ce que j'aime chez Sandra, c'est son côté rassurant. Alors je te remercie. Je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est la stricte vérité. C'est que quand moi-même j'ai cherché euh, il y a quatre ans, après le décès de maman, euh, des médiums et des voyants pour me dire ce qu'allait donner la suite de l'histoire avec euh, les plaintes que j'avais que j'avais en cours. Euh, je cherchais quelqu'un qui allait m'expliquer les choses simplement, aussi bien en médiumnité qu'en voyance. Et alors, bon, j'en ai trouvé certains, mais très souvent, c'était des messages très, euh, comment dire, euh, angéliques, vous voyez, des messages qui parlent à tout le monde. Et moi, j'avais besoin qu'on me parle à moi. Et euh, je pense que ça, mes guides l'ont compris, parce que moi, j'ai la chance dans mes guidances de vraiment parler aux gens et euh, pour eux. Euh, voilà c'est des choses précises c'est des choses qu'ils comprennent moi je voulais faire un groupe qui se serait appelé la médiumnité pour les nuls bah c'est un petit peu ça en fait euh, c'est vraiment euh, euh, que ça parle à tout le monde aussi bien les guidances les contacts des fins pour démystifier tout ça et pour arrêter de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire mon rêve ce serait vraiment qu'un jour tout le monde se réveille et en se rendant compte que la vraie vie bah du... c'est pas ici hein, les enfants hein. là on est dans un gros film hollywoodien <laughs> Euh, Ou <coughs> pardon, un gros film hollywoodien où à la fin du film on se rend compte que, bah tout ça c'était qu'un rêve. Ça c'est pas la vie, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Euh, alors je vous rassure, hein, je suis pas perché, j'ai pas perdu la boule, mais à force d'expérience avec euh, tous ces centaines et centaines de guidances et de contacts des fins, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence et tout ce que ce qui au début me paraissait euh, fantastique mais au final je me rends compte que c'est ça la vraie vie et qu'un jour on y retournera tous donc euh, voilà, c'est tout ce que je nous souhaite c'est qu'on arrive à mettre cette part de, 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 de bonté, de divinité d'amour qu'il y a de l'autre côté, un petit peu dans nos vies ici, je pense que ça ferait du bien à tout le monde surtout, et qu'on prendrait beaucoup de recul sur beaucoup de choses et qu'on, passez-moi l'expression, hein, je vais être vulgaire mais qu'on se mettrait un petit peu moins sur la gueule que ce soit sur Facebook, en privé dans les guerres, euh, les politiques euh, voilà, hein, ça serait bien mieux pour tout le monde, mais bon, après on n'y est pas encore mais j'espère pour les générations futures on va y arriver Ok, alors euh, Aurélia qui a ramené du monde, bah merci beaucoup. Hein. Euh, voilà, on va essayer de retourner sur euh, les commentaires et les questions. Alors si jamais je ne les vois pas, je, vous avez vraiment le droit de les remettre. Et si vous voulez poser une question en direct dans le direct, vous pouvez cliquer sur pour vous inviter dans le direct. On vous verra dans une petite pastille en vidéo. Euh, en haut et vous pourrez me poser votre question et je vous répondrai euh, en vrai en live. Euh, donc euh, s'il y a quelqu'un si quelqu'un veut essayer, n'hésitez pas. Alors je lis, je lis, je lis. Alors voilà, Martine Fouque. Une guidance permet de t'orienter dans ta vie. C'est une bonne question Martine. Alors c'est exactement ça, une guidance permet de t'orienter dans ta vie. Pourquoi? Parce que les guides, guides. Ça peut paraître mais tellement bête comme phrase, mais c'est ça. Nous avons, nous avons la chance d'avoir ces guides qui nous accompagnent tout le temps, qui sont là tout le temps pour nous. Si vous ne leur demandez rien, alors vous allez me dire mais comment on parle à ces guides? Mais parlez à vos guides comme à des potes. Hein. Ils sont là pour vous, tout simplement. C'est pas la peine de faire des salamalecs devant eux. Voilà, mes guides, chers guides, euh, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, sans problème, sans problème. Vous leur demandez. Si c'est pour vous, si c'est le moment, ils vous le mettront sur votre chemin. Alors, vous allez me dire, oui, elle dit, si c'est le moment, si c'est les genres, euh, j'esquive le truc. Non! Il faut vraiment être conscient que dans la vie, il y a des étapes. Et qu'on n'a pas tout de suite tout, tout cru comme nous on veut, parce qu'on fait un caprice et qu'on est persuadé, de nous, que c'est ce qui va bon pour nous. Ça, c'est l'ego et le mental qui s'en mêlent et qui parlent. D'accord? Donc, vraiment, quand ce sera le moment pour vous, vous l'aurez. De la même manière, on en parlera lundi avec Maud dans le pour la loi d'attraction, la loi d'abondance. C'est pareil. Évidemment, je vais pas demander ce soir. Oh là il là, faut que je gagne au loto. Pourquoi faire gagner au loto Admettons. Voilà, on va prendre cet exemple vite fait quand même. Admettons, je veux gagner au loto euh, un million. Pourquoi faire un million Est-ce que là, maintenant, Sandra Doucet, as besoin d'un million d'euros Non. Moi, j'ai une maison. Il resterait encore beaucoup d'argent pour donner à des associations. Je ferai du bien, mais je donnerai pas non plus un million. Je, je suis pas folle, j'en ai besoin pour moi aussi. Mais un million serait beaucoup trop. Donc on me donnera ce dont j'ai besoin. Donc qu'est-ce que je fais moi tous les jours Je demande et je dis, j'affirme avec des affirmations. J'ai tout l'argent nécessaire pour payer mes factures. J'ai tout l'argent nécessaire pour payer ce que j'ai à payer. Tout simplement. Et l'univers me donne tous les jours. Le robinet est ouvert. Voilà, tous les jours l'argent arrive. Et je parle d'argent parce que malheureusement c'est quelque chose que tout le monde, on a tous ça en tête, c'est normal, c'est ce qui fait marcher notre monde terrestre, malheureusement, mais c'est qu'une énergie aussi. Donc je lâche, ça revient. Je lâche, ça revient. Et si je n'en ai pas, alors on peut voir un petit peu plus loin euh, dans les, les, les vœux karmiques qu'on a pu faire, mais ça on en reparlera le lundi. Mais en tout cas voilà, une guidance permet de t'orienter dans, pardon, de t'orienter dans ta vie. Oui, ça va t'orienter. Ça va te guider, ça va te conseiller, d'accord Mais ça ne va pas te dire il faut faire comme ci ou comme ça. Si vraiment les guides viennent en disant il faut, c'est que vraiment tu es allé trop loin, c'est que t'as pas entendu avant, c'est qu'on t'a dit de lever le pied. Certains se retrouvent des fois en arrêt maladie, euh, avec des problèmes de dos, bah, parce que tu en avais plein le dos, t'as pas fait attention, avec une jambe pétée ou un pied cassé, et eh ben fallait peut-être lever le pied avant. Enfin voilà. Euh, en guidant, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus parlant. Mais je vous assure que ça vaut le coup des fois, même moi, je suis plus épatée à la fin de la guidance en me disant, c'est incroyable comme ils sont précis. Vous, vous venez chez moi, vous me connaissez, vous vous dites, oh bah oui, Sandra, elle a les réponses. Mais Sandra, avant de commencer la guidance, elle sait pas où elle met les pieds, hein, du tout. Donc, moi, je suis chaque fois épatée par ça et je me dis, pétard, ils sont quand même vachement forts de nous avoir mis pff, le doigt dessus sur ce qu'il fallait savoir. Voilà. Alors, euh, Thierry, j'ai énormément de réponses, mais j'ai souvent le ressenti que ce soit mon père qui me répond. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Dans vos guides, vous pouvez avoir euh, un défunt. Alors, un défunt à vous. Alors, par exemple, moi, ma maman, pour moi, ce n'est pas mon guide. Elle m'a guidé. Ce n'est pas la même chose. C'est un peu com compliqué à comprendre cette nuance, mais euh, les guides nous accompagnent et nous guident. Mais un défunt n'est pas forcément un guide dans le sens. De nos guides spirituels. D'accord Les défunts peuvent venir nous conseiller, peuvent venir euh, provisoirement, au début de notre évolution aussi, euh, nous nous insuffler l'énergie nécessaire, mettre sur notre chemin ce qui est nécessaire. Moi, je pense que vous avez tous déjà vu euh, mon histoire sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà, c'est une petite musique, vous inquiétez pas. C'est mon lave-vaisselle qui termine. Voilà. Euh, les défunts peuvent effectivement venir aussi nous donner des informations en canalisation. C'est tout à fait possible. Donc, si c'est ton père qui te parle, oui, je suis d'accord, ça peut arriver. Alors, de euh, vos questions, je les cherche. Alors, Martine nous dit, ce sont les guides qui nous poussent vers le spirituel. Alors, oui et non, je prends un petit peu de montée. Alors, euh, qui nous pousse vers le spirituel, oui et non. Partons du principe, comme je vous l'ai expliqué avant, que nous sommes des êtres incarnés, donc des esprits qui sommes venus en mission. On est vraiment en mission sur cette terre, d'accord Eh ben, de la même manière, on leur a dit, avant de, de venir s'incarner, bon, bah ben écoutez, ben je prends nouveau mon exemple, mais c'est des fois plus simple, <laughs> ben écoutez, à 44 ans, vous allez venir me réveiller, euh, il va se passer quelque chose de dramatique dans ma vie, que j'aurai... Alors je, je me rends bien compte de ce que je dis. Hein. Voilà, ma maman va décéder brutalement. Ça va être une vraie tragédie. Je vais toucher le fond. Et quand j'aurai touché le fond, eh ben d'un coup la médiumnité va apparaître dans ma vie. Comment ben, tout simplement déjà quand elle était malade, je me suis rapprochée de groupes de guérison sur Facebook, chose que je ne savais même pas que ça existait. Euh, voilà. Donc j'avais déjà un pied dedans. Ensuite, euh, de groupes de guérison, je suis arrivée chez les voyants, des voyants, chez les médiums, chez les médiums. J'ai vu les contacts défunts. J'ai fait un contact défunt. Euh, il s'est se passé énormément de synchronicité. Si un jour, je retrouve la vidéo que j'ai faite avec Mélanie, je vous la posterai pour que vous la voyez parce que je n'étais absolument pas médium euh, et qu'à la fin, je lui disais, écoutez, Mélanie, c'est bizarre, il commence à se passer des choses. Je vois des papillons partout, c'est quand même euh, assez bizarre. Et c'est là qu'elle m'avait dit, oui, il y a une transformation, il y a une évolution qui est en cours. Et moi, j'étais mis à milieu de, 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 me, de me douter de ça. Et bim, euh, voilà, je me suis retrouvée... Euh, dans le spirituel comme tu dis donc les guides nous poussent ou les défunts nous poussent on a fait on a pris cette décision avant de s'incarner on s'est donné rendez-vous avec soi-même et c'est ce qu'on appelle l'éveil ou le réveil d'accord ça peut être différent pour chacun ça, il se peut aussi que dans cette vie là l'un ou l'autre ne s'éveillera pas ne se réveillera pas parce que c'est une jeune âme et qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre et à faire beaucoup d'incarnations. Et quand elle aura eu beaucoup d'incarnations, à ce moment-là, l'éveil spirituel s'invitera dans une de ces incarnations, quand ce sera le moment. Mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Simplement, actuellement, oui, les vibrations de la Terre augmentent, nos vibrations augmentent. Me demandez pas comment ça se fait, mais c'est comme ça, c'est 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 énergétique. Toujours est-il que voilà, beaucoup 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 de monde s'éveille et beaucoup d'enfants et de jeunes adolescents comme la mienne par exemple. Mais euh, voilà, c'est vraiment c'est bien, ça fait du bien n'empêche. Tout le monde s'éveille et c'est ce qu'il faut. Il faut que nous redevenions qui nous sommes. Donc voilà, j'espère que Martin, j'ai répondu à ta question, j'ai un peu extrapolé comme d'habitude, mais j'espère que ça vous parle. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a comme question Solène qui nous dit « Comment mettre son mental de côté ?» Ça, the big question. Hein ça, c'est super compliqué. Alors, mettre son mental de côté, très sincèrement, le mental s'en mêle toujours un peu, euh, même en guidance, même en contact défunt. Il, il peut y avoir un moment où, oups, je déconnecte deux secondes et le mental s'en mêle de nouveau en disant, euh, euh, si par exemple la personne dit « Non, ça ne me parle pas oh », je vais avoir un mouvement de recul et cette hésitation, c'est comme si je perdais la concentration, la canalisation, et là le mental s'en mêle, oh là ça ne lui parle pas, qu'est-ce que ça va donner J'ai la chance, ça ne m'arrive plus trop euh, de perdre le fil parce que j'ai appris à force à me faire confiance. Alors comment faire taire le mental La méditation, c'est une très bonne chose, euh, ça aide énormément, il y a des méditations sur ça, j'en ai d'ailleurs une sur mon groupe que je peux republier. Euh, la méditation, la confiance en soi, euh, la confiance en ses guides et en se disant si j'entends ça maintenant et que ça n'a rien à voir euh, avec mes pensées, bah c'est que ça vient de mes guides tout simplement. Alors faut pas attention, pas non plus devenir perché, hein. faut pas non plus euh, décoller et se dire que tout ce qu'on entend vient de nos guides. Il faut raison garder euh, mais en tout cas comment mettre son mental de côté. il n'y a pas de recette miracle. il y a vraiment voilà des petits exercices, de confiance, euh, de méditation et s'exercer le plus possible, poser les questions, voir les réponses qui arrivent, et voilà, communiquer avec eux, parce que si on ne communique pas avec ces guides, ils ne nous poussent à rien. Les guides, s'il y a quelque chose à savoir, ils nous préviennent une fois, deux fois, avec des synchronicités. Si vraiment on met pas le nez dedans, ils vont pas nous forcer à quoi que ce soit. D'accord? Éventuellement, ils vont vous pousser vers une médium ou un médium, évidemment, mais autrement pas. D'accord? On a notre libre arbitre. On a le droit de décider. Si on va être à côté de notre plaque toute notre vie, elle est libre à nous, Ils hein Ils vont pas nous forcer. Mais faudra pas qu'on vienne pleurer non plus. Voilà. Alors Mali qui nous dit mon écran est noir et eh ben écoute euh, ça c'est pas normal je suis là je pense que tout le monde me voit redémarre éteint Facebook et revient alors <coughs> Francine qui nous dit ce qui est dommage c'est qu'on ne se souvienne pas de nos anciennes vies pour progresser ben justement moi je pense que c'est pas dommage parce que si on savait ce qu'on a vécu avec le vécu qu'on a déjà dans notre vie terrestre, qui pour certains est quand même déjà vachement lourdingue et très très compliqué, si on se souvenait encore plus de ce qui nous est déjà arrivé, imagine, tu te souviendrais que tu étais un tueur en série, que tu étais quelqu'un d'extrêmement mauvais. Est-ce que tu crois vraiment que ça t'aiderait à être quelqu'un de bien dans cette vie-là C'est pas sûr. Et à l'inverse, euh, j'estime que tout comme on n'a pas besoin de savoir ce qui va nous arriver, si on n'est plus dans le moment, on n'est plus dans l'instant présent. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui nous est arrivé. Alors à moins d'avoir des blocages, euh, vraiment des choses graves. Alors par exemple, moi j'ai une phobie inexpliquée de l'autoroute, mais je ne l'ai que depuis que j'ai eu ma fille. C'est quand même bizarre. Je, avant ça, euh, j'étais dans des voitures qui roulaient extrêmement vite, sans problème. Et depuis qu'on a eu notre fille je ne peux plus, je, je, je suis super mal et angoissée sur l'autoroute. Je peux prendre des nationales, je peux traverser la France, mais pas l'autoroute, je ne l'explique pas. Donc, on peut avoir des blocages comme ça. Pour ça, ce serait intéressant de savoir s'il m'est arrivé quelque chose dans une vie antérieure qui a provoqué ça. Parce qu'autrement, je ne l'explique pas. Mais je ne suis pas sûre, je le répète, qu'il qu soit bon de connaître notre avenir et encore moins qu'il soit bon de connaître notre passé on a à vivre ce qu'on a à vivre on a vécu ce qu'on a vécu voilà on ne regarde pas le passé quand on est dans l'instant donc je suis pas certaine que les vies antérieures et, et euh, leur importance j'ai demandé moi à mes guides d'avoir accès aux annalesakashiiques j'ai pensé que ça pouvait m'aider j'ai eu de temps en temps des flashs dans des guidances où je voyais la personne effectivement dans une situation qui ressemblait à la situation dans laquelle elle était là et j'en ai conclu qu'en fait c'est plutôt ce qu'on appelle les liens karmiques, c'est des histoires qui se répètent qu'on n'a pas réglées dans une autre vie et qui reviennent dans cette vie-là. Et pourquoi on nous le montre Parce que c'est intéressant de se rendre compte que si on ne règle pas le problème quand on vient en guidance, c'est quand même pour solutionner le problème. Et si euh, on nous montre que c'était déjà le cas avant et qu'on ne le fait toujours pas dans cette vie-là, on va le trimballer tout le temps, cette casserole, et puis ça n'ira jamais. Donc je pense que moi, il me le montre quand vraiment c'est pour dire, eh oh, attends, parce qu'il trimballe ça depuis la dernière fois, depuis sa dernière vie. Donc il serait peut-être temps qu'il bouge là et que enfin il fasse ce qu'il faut et ce qu'on attend de lui pour qu'il aille mieux. Voilà. En ça, ça peut être intéressant. Ce n'est que mon avis. N'oublions hein. pas. Alors, euh, Francine qui nous dit, c'est comme revivre un jour sans fin. Mais non, mais c'est parce que tu fais pas bouger les choses, hein C'est tout. Je sais que des fois, c'est ce que je disais avant, des fois on n'a pas envie d'entendre euh, ce qu'on nous dit. Alors, Gaëtan, à la maison, le plus tard possible, quand on a évolué, paix sur la Terre, à quoi bon se taper dessus on, Au final, on se retrouve tous dans la lumière, exactement. Alors, euh, tu, 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 tu. Charline, si je demande à mes guides de gagner une grosse somme d'argent, ouais, ben bah, vous pouvez, hein mais ils vous donneront seulement ce dont vous avez besoin. Alors, Florence, j'ai la sensation d'être un robot dans un monde d'illusions, gros teintement dans mon oreille droite en t'écoutant, Sandra Akoufen, depuis avril 2017. Alors, cette histoire d'Akoufen, alors je vais faire une parenthèse, hein, dans ce live avec les guidances et les contacts défunts, j'ai eu une question de Bérangère, à laquelle j'ai toujours pas réussi à répondre, et qui rejoint ta question, Florence. Je ne, je n'ai pas réponse à tout, très sincèrement, Je, enfin c'est normal même. Euh, de temps en temps, vous venez me dire, oui mes mains piquent, mes mains chauffent, est-ce que j'ai du magnétisme Moi j'ai du magnétisme, mes mains n'ont jamais piqué, elles n'ont jamais chauffé. Là, euh, l'histoire des acouphènes, depuis avril 2017, Florence Bérongère m'a posé la même question hier, hier. Euh, moi, perso, j'ai jamais eu d'acouphène. Alors oui, de temps en temps ça siffle, puis ça s'arrête, comme si on montait un micro et on l'éteint. Mais je n'ai jamais mis ça en rapport avec la claire audience, parce que moi je ne suis pas claire audiente. Moi, j'entends dans ma tête. Je n'entends pas avec mes oreilles, les défunts. Tout comme je les vois avec mes yeux intérieurs, je ne les vois pas. En chair et en os devant moi, contrairement à ma fille qui, comme dit depuis deux mois, voit les défunts mais en vrai. Alors d'ailleurs, c'est la trouille hein, parce que il y a des fois euh, ça se pointe comme ça et c'est pas franchement euh, super agréable. Euh, quand je dis ça se pointe, je me permets de dire parce que c'est des trucs pas pas top et assez glauques. Hein. Donc c'est pas toujours non plus. Euh, c'est pas ma c'est pas ma mère qui vient dire bonjour. Hein. Des fois il y a des des décédés très. Enfin euh, voilà, qui, qui vont un peu peur à voir. Donc voilà, c'est une chose. Euh, mais pareil, elle a pas eu d'acouphènes, j'ai pas eu d'acouphènes. Moi, je les vois, elle les voit à sa manière. Je, ça, c'est différent chez chacun. Donc, dire que tu as des acouphènes depuis 2017 et que euh, c'est en lien avec la médiumnité, enfin la claire audience, je ne suis pas certaine. Faut peut-être aussi quand même consulter un médecin. On va pas se mentir. Si effectivement il y a rien de ce côté-là, peut-être qu'effectivement euh, ta claire audience va se développer, mais euh, et tu entendras à haute voix. C'est guide, c'est fort possible. Voilà, la médiumnité est différente chez tout le monde. Chaque médium a sa médiumnité. Ça, il faut en être conscient. Hein. Donc, il euh, y a pas, il y a pas de mode d'emploi. Hein. C'est pas, euh, voilà, euh, mes mains piquent, mes mains chauffent. Euh, j'ai du magnétisme. ce n'est pas obligatoire. J'ai les oreilles qui sifflent, ça ne veut pas dire que je vais entendre. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel Messenger. Euh J'espère qu'on, que ça n'a pas coupé. Voilà. Donc ok, c'est pas pour autant que euh, ça fonctionne comme ça. Moi je, je, vois les défunts. Je peux pas vous, j'allais dire, je peux pas vous expliquer. C'est un peu compliqué. Je les, quand je suis en séance, je les vois sur mon écran mental, comme si je regardais une scène, un souvenir, un film, d'accord. Et à l'inverse, quand je suis dans une maison avec Yann pour nettoyer, eh ben, je, je sais, je le vois, mais je le vois pas en vrai. C'est comme si, euh, comment dire. Je sais qu'il est là, je sais qu'il me touche, je sais qu'il me parle, mais je le vois pas. Pas avec mes yeux humains. Je, les, je le vois avec ma part, avec mon âme. C'est mon âme qui discute avec son âme. Mais c'est ma tête et ma bouche qui va dire à aux consultants ou aux gens qui habitent la maison, Bah voilà, il est comme s'il si est en train de dire ça. Vous voyez C'est un petit peu compliqué, hein c'est un peu confus. Voilà. Alors... Euh... J'essaie de revenir sur les questions. Apparemment, c'est clair ce que je vous explique. Marguerite qui nous dit nos guides sont-ils les mêmes toute notre vie Alors non. Oui et non en fait. Alors euh, dans le sens où quand nous nous incarnons, nous avons un ou plusieurs guides euh, qui sont notre euh, comment dire ça Des fois, ça me fait un peu rire. J'ai l'impression que c'est un peu comme euh, un chef de mission, un chef de stage, euh, comment dire, un référent. On va dire ça comme ça. Donc on en a un ou on en a plusieurs. Euh, qui nous accompagne. Il y en a un principal, ok, qui euh, nous accompagne toute notre vie. Euh, et quand nous avons des choses à apprendre, quand d'un coup dans notre vie arrive une situation où, par exemple, alors je donne mon exemple toujours encore, euh, d'un coup on a dû pardonner. J'ai dû pardonner. Apprendre à pardonner. Hein, on dit toujours, oui c'est bon, j'oublie. Mais est-ce que je pardonne vraiment C'est moins marrant. Et du coup, là c'est le guide qui est censé m'apprendre ça, qui est venu? Et qui m'a envoyé, qui m'a insufflé ce que j'ai pensé, ce qu'on m'a envoyé pour que j'y arrive? Vous comprenez? Et une fois que c'était mission réussie, heureusement, j'y suis arrivée, ce guide est reparti. Et ainsi de suite. Donc nous avons un ou plusieurs guides qui viennent dans notre vie suivant ce que nous avons à apprendre à ce moment-là. D'accord? Ils interviennent. Mais on a un guide principal en fil rouge qui euh, nous accompagne toute notre vie. La chose à savoir aussi, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'ils ont des prénoms? Alors de mon avis perso, quel intérêt de connaître le prénom de ces guides Alors je ne suis pas la seule à penser comme ça, mon ami Maud aussi, je la rejoins tout à fait, parce que de surcroît, le prénom c'est humain. Nous, nous parlons avec eux en fréquence, en énergie. Je peux très bien avoir un contact défunt avec quelqu'un d'étranger, comprendre ce qu'il veut me dire, juste avec ses énergies. Donc avec un guide, c'est de la même manière, d'accord Donc les prénoms, pour moi... Il n'y a pas de prénom, surtout qu'en plus on pourrait se dire oui mais de quelle incarnation, la dernière, l'avant dernière, euh, la, la millième, la trois centième, à quoi bon Donc certes quand nous a, sommes vraiment en demande, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin de mettre un prénom sur euh, le, le, leur guide. Alors effectivement on peut demander des synchronicités tout et on aura euh, un prénom. Je pense que c'est juste pour nous simplifier la tâche pour qu'effectivement voilà on puisse euh, euh, verbaliser parce qu'on est humain on est comme ça on a besoin de savoir les choses on est un petit peu euh, euh, casse-pied dans notre côté terrestre on a besoin de catégoriser donc voilà mon guide s'appelle X bon bah voilà alors il s'appelle X d'accord donc euh, les guides euh, on en change et pour moi ils n'ont pas de prénom alors euh, Charlie nous qui nous dit Sandra j'ai une question car j'ai des hallucinations auditives j'ai déjà entendu la voix de ma mère un matin au réveil m'appeler par mon prénom. Je me demande ce que ça peut être, ma maman n'étant pas décédée. D'accord. Alors, ce peut être l'âme de ta maman qui a contacté l'âme de Charlinou euh, parce qu'elle avait un message à lui passer. Peut-être que ta maman, à ce moment-là, avait besoin de toi. Est-ce que tu l'as appelée Est-ce que tu as, tu as su si elle avait quelque chose à te dire Ou peut-être que c'était ta maman qui pensait vraiment très très fort à toi à ce moment-là, si tu me dis qu'elle n'est pas décédée, voilà, d'accord. Donc, d'âme à âme, on peut communiquer aussi. Ça arrive à tout le monde de dire tiens, je vais appeler, euh, bah, je vais appeler maman et puis bim, le téléphone sonne et maman est au téléphone. Donc ça, c'est une connexion d'âme à âme, tout simplement. Donc, hallucination auditive, c'est le terme d'hallucination qui est rigolo, mais euh, oui, tu peux très bien entendre quelqu'un. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Je rebondis là-dessus, Charlie nous. Euh... C'est un autre sujet, mais je vais quand même vous en parler. Il peut arriver que des entités que l'on nomme du bas astral euh, puissent se manifester chez nous et nous faire croire que ce sont des proches à nous. Bon, alors là, en l'occurrence, ta maman n'étant pas décédée, donc ce pas trop ça, mais faites très attention. Euh, alors, il y a Aurélia qui regarde, on ne va pas reparler et mystifier ce Ouija, le, le, elle fait des créations magnifiques. Euh, simplement si on ne sait pas s'en servir, si on n'est pas euh, euh, conscient de ce qu'on est en train de faire, c'est comme euh, l'écriture intuitive euh, automatique, pardon, et c'est comme les tables de spiritisme, on n'y touche pas, tout simplement. Si on sait ce qu'on fait, ok, euh, si on est vraiment sûr de ce qu'on fait, sinon on demande à un médium de venir euh, avec soi. Euh, voilà, tout ça pour te dire que attention, on peut être squatté, on peut avoir une entité euh, négative ou du base astral qui nous squatte et qui se fait passer pour quelqu'un. Euh, voilà, peut se faire passer pour ta grand-mère, pour ta maman ou n'importe. Donc, fais quand même attention, Charlie nous. Ça peut aussi être ce cas de figure-là. Ok Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Sandrine Thibault, sont-ils les mêmes ou changent-ils au fur et à mesure de notre évolution Ben voilà, je viens de répondre tout à l'heure en disant que on change de guide suivant ce qu'on a à apprendre à ce moment-là, d'accord Voilà, alors, Roland, bonjour Roland, alors c'est rare que j'ai des hommes, donc bonsoir Roland, ça fait plaisir, bonjour, je ressens souvent ma petite sœur qui est partie à l'âge de 10 ans, pour moi, elle est présente depuis longtemps et je pense qu'elle me pousse vers l'éveil, mais tout à fait, Roland, tout à fait, Possible, bien évidemment. Et je te dirais même, et je vais pousser ça loin, et tant pis si je choque, mais parce que j'en suis convaincue, il est même possible qu'elle ait décidé de partir aussitôt se désincarner pour justement préparer ton éveil pour le jour J. Donc, euh, il peut arriver, et c'est ce que j'ai compris avec ma maman, euh, qu'on peut se désincarner très jeune, très tôt, dramatiquement ou autrement, et que c'est justement pour permettre à l'autre... Euh, de s'éveiller ou de, de faire quelque chose dans sa vie terrestre qui est bonne pour lui euh, et ça euh, il y en a de plus en plus où on se rend compte que c'est effectivement ça d'accord donc que ta 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 petite sœur t'accompagne ben bah, écoute oui oui et qu'elle te pousse vers l'éveil ben bah, écoute je te souhaite un, un bel éveil et un beau chemin vers euh, vers cet éveil en tout cas voilà donc euh, ça n'a rien d'inhabituel du tout et euh, ça explique même souvent beaucoup de choses n'oubliez jamais vous connaissez tous ce qu'on appelle l'effet papillon, euh, l'effet domino. Ça veut dire que voilà, euh, nous sommes tous euh, des dommages collatéraux, j'ai envie de dire. On pousse un domino, tous les autres tombent. C'est pareil, l'effet papillon. Un battement d'aile d'un papillon à un bout de la planète peut provoquer un tsunami de l'autre côté de la planète. C'est exactement sur ce principe-là. Nous sommes tous là. C'est à ça qu'on voit qu'on est tous liés, qu'on nous sommes tous une unité. <coughs> Pardon. Même si dans notre vie de tous les jours, voilà, on n'aime pas tout le monde, on a des contrariétés. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Mais Toujours est-il qu'on fait partie tous de la source, qu'on est tous venus, on fait partie de ce tout, et que ça influence et ça a des répercussions sur la vie de chacun. Donc euh, que ta sœur soit partie si jeune euh, a été dramatique dans ta vie, mais si elle te pousse à l'éveil, bah, c'est une bien belle mission qu'elle a. Voilà. Laetitia, pourriez-vous nous donner un exemple de mission de vie révélée par nos guides Est-ce que nos missions respectives sont toutes différentes ou bien elles ont toutes le même fond commun qui serait d'aller vers plus de spiritualité. Alors le fond commun pour moi, Laetitia, n'est pas la spiritualité en elle-même. C'est pas la, le fait de devenir spirituel. Ça veut dire quoi devenir spirituel Spirit c'est esprit. Euh, si tu veux, oui, dans le dans le fait que nous devons tous nous rendre compte que nous sommes un esprit incarné dans un corps humain et que de ce fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on doit prendre du recul sur les choses et que quand on a quelque chose à à pardonner euh, qu'il faut que ça vienne plus facilement quand on a quelque chose à apprendre de la tolérance, de la résilience, euh, de l'amour, euh, voilà, de, de toutes ces choses-là nous sont imposées dans nos vies. Alors bien évidemment, hein, on a toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent. On va pas se mentir. Euh, quelqu'un qui va hyper bien ne va pas venir en guidance non plus. Donc j'ai jamais eu quelqu'un pour qui vient me dire euh, ouais tout va super bien, euh, voilà. Je voudrais juste savoir ce que je fais là. Euh, non il y a effectivement ce fond commun d'aller vers le mieux. Nous devons tous aller vers le mieux. Nous devons tous nous bonifier. J'ai envie de dire que nous devons à la fin de notre vécu terrestre avoir réussi à traverser les étapes qui sont très difficiles, on le sait, mais qui font que voilà, on surmonte une épreuve. Donc là maintenant, je suis pas tout en tête, mais que ce soit effectivement Pardonner, hier encore j'avais le cas. Euh, il faut qu'on, il faut savoir s'aimer, il faut savoir céder, il faut savoir. Euh, je parle de soi-même, hein, je parle même pas des autres. Alors oui, l'altruisme aussi, ça compte, le partage, euh, toutes ces belles qualités qui font qu'on est humain. Ben, il faut les faire avec vraiment son cœur, la bienveillance, tout ça, toutes ces, toutes ces euh, euh, qualités, toutes ces euh, vertus sont effectivement des choses que nous devons tous avoir traversées au moins une fois dans notre vie et surtout avoir intégrées. Le but, c'est ça. C'est d'arriver à pardonner, c'est d'arriver à aimer, c'est d'arriver à s'aimer. D'accord? C'est ça qui est important. Et si on ne s'aime pas? Et pourquoi on ne s'aime pas? Est-ce qu'on a été aimé par nos parents? Non. Et alors, est-ce qu'on a pardonné à nos parents pour pouvoir enfin être tranquille et s'aimer soi-même? Des fois, quand je fais des guidances, je me dis, il y a quand même deux doigts de psychologie. Mais en fait, c'est la psychologie qui s'est inspirée de la spiritualité et non pas l'inverse, tout simplement. Parce que tout ce que nous dit nos guides et tout ce qu'ils me font dire, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. On dirait juste que je fais une séance psy chez aux gens. C'est pas tout le temps, je vous rassure, mais c'est juste de la bienveillance de, de la quelque chose d'élémentaire qu'on est tous censés avoir et faire donc euh, le but le fond commun comme tu dis c'est juste de prendre ce recul nécessaire et de se rendre compte que voilà tout simplement je suis un esprit dans un corps humain je suis là en mission j'ai des difficultés je les traverse et j'avance et je me bonifie pour qu'au jour où je me désincarnerai je repars de l'autre côté et je me dis mission réussie premièrement et deuxièmement ça me fera toujours ça de moi à apprendre d'accord ça paraît très résumé mais c'est tout à fait ça voilà j'espère que ça t'a répondu euh, je sais plus qui c'est qui a passé la, posé la question si c'était euh, euh, charline je crois je suis plus sûre donc désolé ça, ça défile très vite et du coup je vois plus les questions alors euh... En signe qui nous dit oui pour les blocages, ce serait bien de se souvenir, mais juste pour les blocages. Mais oui, mais non. Alors à ce moment-là, on va voir tout simplement. Euh, on va voir tout simplement des des médiums. Il y en a qui aident, des thérapeutes par l'hypnose, par la régression. Mais euh, il faut aussi travailler sur soi. Pourquoi je bloque Pourquoi je bloque Qu'est-ce qui va pas Moi, j'essaye de comprendre. Hein, le, pourquoi je bloque comme ça sur l'autoroute Je peux encore trouver, mais je trouverai. J'aime pas aller. Moi, je demandais justement. <laughs> Alors, euh, Mali qui nous dit, peut-on éviter certaines situations désagréables ou bien devons-nous tous vivre pour notre évolution karmique Non, on doit tout vivre. Peut-on éviter certaines situations Si tu l'évites, elle te reviendra euh, sous une autre forme. Elle reviendra sous une autre forme avec d'autres personnes. On prend, c est, c est, on, prend les, on prend les mêmes et on recommence, c'est ce que je dis toujours. Euh, on prend les, 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 les mêmes personnes et on voilà si c'est pas un problème que tu as quand on a un problème par exemple avec la jante masculine ça peut être un problème qu'on avait avec son père qu'on n'a pas résolu résultat les hommes avec qui nous serons ça n'ira pas et si vraiment on se dit bon bah si c'est comme ça je vais rester toute seule et eh ben on aura peut-être ça avec notre meilleur ami ou avec un frère donc ça nous rattrape toujours toujours l'évolution euh, euh, éviter éviter la situation tu pourras esquiver comme tu veux ça reviendra toujours alors, Pierrotin qui nous dit, quand une voix m'a dit tu divorceras le jour de mon mariage, était-ce mon guide? J'ai divorcé, c'est vrai. Est-ce que vous me voyez encore? J'ai l'impression que l'image est bloquée. Parce que je suis sur mon. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que quelqu'un peut liker? Là, je me regarde moi sur l'ordi, sur le... le téléphone. Alors, je vais remettre. Est-ce qu'il y a une coupure ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en direct ou pas. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si c'est bon ou pas Oui, ok, d'accord. Ok, merci, merci, c'est bon. Parce que je, sur mon écran d'ordi, c'est comme si euh, le, le direct s'était arrêté. D'accord. Merci, merci à tous, c'est bon. J'ai compris qu'on me voyait. Euh, donc, je vais, je vais continuer sur mon téléphone, du coup. Euh, alors, je veux juste voir la question qu'on était en train de me poser. Et après, on va aller passer quand même sur les contacts défunts. Euh, 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 de toute façon, il y aura tellement de choses que je veux vous dire et que je vais oublier de vous dire. Donc, euh. alors juste au passage, Sarah il euh, faut regarder le direct depuis le début. On fera regarder en replay. J'ai redonné les dates des conférences et elles sont en événement aussi hein, sur mon mur. Donc allez dans mes événements. Faut pas hésiter des fois les enfants aussi à aller fouiller un petit peu. Martine, pas facile de pardonner quelque chose de très lourd. Comment nous aide-t-il bah, Aide-toi, le ciel t'aidera, hein, Martine, j'ai envie de te dire. Hein pardonner quelque chose de très lourd moi je l'ai fait on n'a pas le choix euh, on n'a pas le choix il faut le faire pour soi pas pour l'autre pour soi c'est pour ça qu'on le fait j'ai encore eu le cas hier oh qu'est-ce que j'ai fait je me suis ne bougez pas je suis là j'ai encore eu le cas hier. il faut il faut pardonner on n'a pas le choix sinon on... je suis désolée de le dire comme ça mais c'est marche ou crève hein, si vous si vous pardonnez pas et que vous restez là là dedans hein. Euh, alors, bon, je vais avancer un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai loupées. Un, un, un. Nos guides sont toujours là, on l'a vu. Alors, je m'excuse, hein, si je mets des, des likes sur vos commentaires, c'est en touchant avec mes gros doigts. Alors, voilà, on a Laurence qui nous dit, il m'arrive de poser une question avant de m'endormir à mon guide pour un problème particulier. Me répondra-t-il toujours aussitôt dans mon sommeil et quand on voit une personne décédée de notre famille, dans notre sommeil, est-ce un signe de leur part Alors, ben, tu vois, en même temps, tu, tu as la réponse à la question, Laurence. Tu écris Il m'arrive de poser une question avant de m'endormir à mon guide pour un problème particulier. Me répondra-t-il toujours aussitôt dans mon sommeil ben, C'est à toi de nous dire est-ce qu'il t'a répondu d'une personne à l'autre, la, la façon de répondre de nos guides sera différente, d'accord Ça pourra être effectivement un défunt qui vient nous répondre dans un rêve, ça peut être un défunt qui vient nous répondre euh, euh, de manière auditive, ou alors vraiment avec une métaphore, ça peut arriver aussi. Mais normalement, quand on demande, le, le, la réponse ne viendra pas forcément dans ton sommeil, mais si tu es entendu et que ta question, j'ai envie de te dire, excuse-moi de s'en vexer, mais que vaut la peine d'avoir une réponse, tu auras ta réponse de toute façon. D'accord, quelle qu'elle soit, tu pourras tomber le matin sur une publication, un post, euh, une image avec un texte. Moi, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et je me dis, bam, ils m'ont répondu. Voilà, j'ai ma réponse. C'est extrêmement rare. Moi, perso, je fais jamais de rêve. Enfin, je fais des rêves, mais euh, j'ai jamais de défunt. Je vois jamais de guide. On vient pas me voir dans mes rêves, du tout. D'accord. Donc, d'une personne à l'autre, c'est différent. Euh, on viendra là où tu es le plus dans le lâcher prise. Moi, quand je fais plus attention du tout, bah voilà, moi, c'est souvent avec les panneaux. Vous savez, les, les, les panneaux, comme moi, je publie des fois, voilà, avec un joli texte, bah, souvent, bam, ma réponse, elle est comme ça. Euh, toi, si c'est dans tes rêves, ça sera dans tes rêves. Mais tu peux poser ta question, on te répondra toujours, de toute façon. Et alors, et quand on voit une personne décédée de notre famille dans notre sommeil, est-ce un signe Alors, il il peut y avoir deux choses. Soit c'est effectivement juste un signe, euh, voilà, qu'on vient te faire. Soit euh, ton défunt vient te voir, tout simplement. Alors, on appelle ça des songes. C'est-à-dire que nous, on est euh, en lâcher prise totale pendant qu'on dort. Donc, c'est le meilleur moyen qu'ils ont de s'approcher de nous et de communiquer avec nous. Alors, des fois, il y a un message. Des fois, il n'y en a pas. Euh, soit ça peut juste être un coucou parce qu'on en avait vraiment besoin, parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tout comme nos guides. Ils savent ce qu'il y a au fond de nous. Donc euh, ça peut être juste un petit coucou tout simplement, comme ça peut être la réponse à un message. Mais effectivement, nos défunts peuvent venir euh, dans notre sommeil. Euh, c'est nous qui quittons euh, ce corps physique sans nous en rendre compte et c'est une rencontre d'âme à âme avec le défunt. D'accord Je vous répète quand même une fois de plus que ce n'est que ma vérité. En aucun cas, euh, je ne l'impose à qui que ce soit. Euh, ce n'est que ce que j'ai appris. En quatre ans, maintenant bientôt quatre ans, avec les contacts des fins que j'ai fait les guidances que j'ai faites, les amis médiums en qui j'ai toute confiance euh, que je suis allée consulter, avec qui j'ai discuté, et aussi euh, ce qui a vibré quand je me suis renseignée toute seule, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de vidéos. Euh, je, il faut savoir faire la part des choses, faut pas tout croire. Euh, quand Je vous l'ai déjà dit, quand ça ne vibre pas. Quand un, un médium ou n'importe quelqu'un euh, essaye d'imposer ce qu'il pense, méfiez-vous un petit peu. Voilà. Euh, chacun a sa sensibilité et chacun euh, vibrera euh, à l'écoute de euh, ce qu'on lui dit. D'accord? Alors, je regarde si vous avez encore des questions. Alors je vois que personne ne veut s'inviter dans le direct. N'hésitez pas. Hein. Si vous avez une question, vous pouvez faire euh... normalement vous pouvez vous inviter dans le direct. Hein. Alors je vois qu'en même temps qu'on se parle, on a euh, beaucoup de ce, ce, demandes de, de d'amis. Alors j'accepte, hein, je regarderai après, mais le direct est en, euh, est en public, hein, donc n'importe qui peut le regarder, il hein, n'y a pas de souci. Alors, et je le laisserai en replay. Alors Sabine, on peut pourtant aller très bien être amené vers le domaine spirituel, c'est ce qui m'arrive. Je pense que mon guide tente de m'emmener vers le soin de l'autre. Est-ce une fois que les difficultés de ma vie ont été dépassées? Voilà. Alors oui, je disais tout à l'heure, c'est rare que les gens viennent en guidance pour dire, je vais très bien, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Il y a toujours un questionnement. Ou alors, justement, un questionnement comme ça qu'on veut pas s'avouer parce qu'on se dit, ouais, ça se fait pas trop. Est-ce que je suis médium? Est-ce que j'ai des facultés? Est-ce que je suis magnétiseuse? Voilà. Mais, euh, on peut aller très bien et demander, et oui, euh, tes guides peuvent très bien essayer de t'amener vers le soin à l'autre. C'est tout à fait possible. Et est-ce une fois que les difficultés de ma vie ont été dépassées Oui. Et là, je peux même te dire, c'est quand tu te seras soigné, toi. D'accord On ne peut pas soigner quelqu'un si on ne se soigne pas soi-même. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne s'aide pas soi-même. Et on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Ça, ça fait aussi partie. Euh, des petites maximes là que je vous mets de temps en temps ce sont des phrases que j'entends régulièrement en guidance qu'on me donne pour mes consultants donc dès que tu auras terminé euh, dès que tu auras réglé ou dépassé tes petites difficultés dans ta vie ou plus grosses difficultés oui très certainement que tu seras amené euh, à que tu seras amené à à dépasser à à, à faire quelque chose je m'excuse parce que je suis en train de lire une jeune femme il y a une dame qui ne peut pas me parler. Maria Rousseau ne peut pas me parler sur le live. Maria, il faut commenter. Vous pouvez mettre une question dans les commentaires. C'est en public. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être ami avec moi pour commenter le live. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on parle maintenant un petit peu des contacts défunts Qui, quand, quoi, comment Alors, je ne sais plus où j'en suis dans les questions. Alors, Orgaïs, euh, tu m'as beaucoup aidé dans ma tête. J'espère que tout va s'arranger dans les prochains temps. Mais je te le souhaite aussi. Je te le souhaite aussi. Oui, puis voilà, c'est aussi sympa d'avoir un retour, hein, de me dire que la, la séance était cool. Ça me fait plaisir. Ça aide les autres à oser franchir le pas, mais euh, vous pouvez me donner des nouvelles, hein, de faire des retours, hein, de me dire, bah tiens, on avait dit ça, il s'est passé ça. Euh, voilà. Moi, j'aime bien savoir. Alors. Euh... Ok, je ne vois pas de questions. Bon, alors je me débrouille mal, je ne sais pas. Donc, on va peut-être parler des contacts défunts. Alors, les contacts défunts, je pense que vous savez tout ce que c'est. Euh... Il faut que vous compreniez une chose. J'ai... Euh... Ah bah ben voilà, Martine. Est-ce que tous les défunts acceptent le contact Alors, c'est une bonne question. Euh... Il faut comprendre une chose. On m'a demandé cet après-midi si ça ne... En fait, sur mon groupe de coaching, j'ai dit aux gens qu'ils pouvaient mettre une photo de leurs défunts pour que les médiums qui s'exercent avec leurs ressentis, pour que les médiums fassent des... Voilà. Des ressentis, enfin voir ce que ça donnait. Et... Euh... Euh, non, Soleil. Bon, attendez, une question après l'autre. Donc, j'étais en train d'expliquer que, pour répondre à Martine, est-ce que tous les défunts acceptent le contact Ce sont de toute façon, il faut comprendre que ce sont les défunts qui décident de tout. Un guide, on peut lui demander, il vient, voilà, c'est un peu sa mission, hein, nous aider, nous guider. Euh, et il ne nous laisse pas dans le Schwartz comme ça, euh, sans rien. Par contre, un défunt qui n'a pas l'énergie nécessaire, qui n'a pas l'envie, qui n'a pas de message, euh, ne viendra pas, et qui peut-être n'est pas en accord avec le médium euh, qui, est, qui est censé faire l'intermédiaire. Ce sont les défunts qui décident. Il n'y a, a pas de, euh, de comment dire, il n'y a pas de médium qui veut dire euh, bah écoute, moi 100%, j'avais de problème. Je sonne, ils sont là. Non, ce n'est pas un coup de fil. c'est pas un coup de fil. Il faut savoir, moi, quand j'ai un rendez-vous de contact défunt, et je pense que beaucoup de mes, de mes euh, confrères font consoeurs font comme ça, on se connecte à notre défunt, à moins qu'il se présente euh, toute seule, hein. on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais vraiment, quand euh, on a une demande de rendez-vous, on a la photo du défunt, on se connecte aux vibrations du défunt qui lui se connecte au nôtre. Et là, ça match. Et si ça match, il y a contact. S'il y a contact, on peut communiquer. D'accord Donc, est-ce que tous les défunts acceptent En majorité, oui. Mais il peut arriver que, voilà, si, et j'en reviens à ce que je disais pour les guidances tout à l'heure, et croyez-moi, ça arrive tellement souvent en ce moment, des fois je vois un peu rouge, il faut comprendre que si vous avez déjà fait un contact avec un ou une médium, et que, pas satisfait de ce que vous avez entendu, euh, pas satisfait, alors je. On ne va pas commencer à polémiquer sur le ou le médium, hein, qui, euh, qui aurait bien canalisé ou pas, ou que vous avez reconnu ou pas. Mais euh, les solliciter, souvent, voilà, on va résumer ça comme ça, ça c'est pas bon. Ça leur demandait beaucoup d'énergie pour se connecter, euh, donc ce n'est absolument pas bon pour eux. De vouloir euh, voilà communiquer euh, je sais pas moi toutes les trois semaines avec un autre médium parce que euh, vous n'avez pas eu la réponse, vous savez pas où est planquée euh, l'enveloppe dans le bureau parce que euh, vous savez pas si euh, tata Josette vous a laissé quelque chose ou pas j'exagère le trait, mais très sincèrement se connecter plusieurs fois à un défunt, le défunt c'est épuisant pour lui et de toute façon il ne viendra plus d'accord Il faut le savoir ça c'est une partie euh, des contacts défunts qui peut se passer comme ça où il faut savoir ça. Il peut y avoir des défunts qui, d'eux-mêmes, viennent tout le temps. Ça, c'est fort possible et ça existe, d'accord Il peut y avoir des défunts qui aiment être proches de leur famille et qui vont faire l'aller-retour, voilà, comme bon leur semble. Ça, c'est à eux de voir. Ensuite, il peut y avoir des défunts qui vont pas répondre au contact défunt. on va se dire, il y a un truc qui va pas. Il... Ça, je suis à côté de la plaque, le médium va se dire, c'est bizarre, ça accroche, ça, ça passe pas. Ça... Il y a une mauvaise connexion. Hein. C'est vraiment comme quand un ordinateur rame. Et là, on peut se poser la question de savoir si le défunt, il est bien il peut arriver. Alors, je sais qu'il y a voilà, d'un médium à l'autre, on n'aura pas forcément la même façon de voir les choses. Mais moi, je, je vous répète, ce n'est que mon euh, ressenti et mon expérience. Il peut arriver que les défunts, effectivement, ne soient pas passés. Alors, c'est quoi ne pas être passé dans la lumière Ça ne veut pas non plus dire être euh, dans un espèce de base astrale, être comme dans Nos solaires et Dieu sait que j'aime ce film, être dans un dans un No Man's Land très glauque. Euh, voilà, ça peut juste être que. Le, il est entre deux plans, il n'est pas bien. C'est parce qu'il a encore des choses à régler ici, où il y a des choses qui le retiennent. Le chagrin de quelqu'un, euh, le chagrin de ses proches, euh, le fait qu'il n'ait pas compris qu'il était mort, le fait qu'éventuellement il n'ait pas accepté sa mort, le fait qu'il y a des choses qui se passent dans la famille et qui font que voilà, il a toujours envie d'aller régler ça. Ou alors il peut être en colère, voilà. Ça, ça peut arriver, ça peut faire en sorte que le défunt ne, 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 ne se manifeste pas ou qu'on ait beaucoup de mal à communiquer avec lui. Voilà, d'accord Donc est-ce que ça les dérange Et est-ce que. Euh, non, parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui décident de tout. Nous, on n'est que des boîtes aux lettres. Hein. Nous ne sommes que des tuyaux, d'accord Dans lesquels circulent l'énergie et la communication. Nous ne sommes rien d'autre. Alors, euh, vous pouvez faire. Oups, j'ai mis clic. Vous pouvez faire un contact défunt. Là, maintenant, les défunts vous le demandent. Alors non, là, les défunts ne me demandent rien du tout. Parce que je suis déconnectée des défunts. J'ai cette chance de pouvoir vraiment être dans l'instant présent. Ça s'apprend aussi, hein. Et là, je ne suis pas connectée. Quand on a commencé ce direct, je vous cache pas, j'avais des frissons partout. On m'a touché les cheveux. Je pense qu'il y avait des proches à vous qui étaient dans le coin. Mais non, j'ai fait comme si je les voyais pas, comme si je les entendais pas. Non, je me concentre sur vous, je suis dans l'instant, et j'ai cette chance de pouvoir justement me déconnecter et être avec vous. Et s'il y avait des défunts, eh ben ils attendront que j'ai le temps de communiquer avec eux. Mais là, c'est pas leur moment. Donc c'est eux qui décident, mais des fois, on a aussi le droit de leur dire non. Là, je suis dans mon moment humain, même si je suis en train de vous parler en tant que médium, mais je suis dans mon moment humain, on ne me dérange pas. Voilà. Alors, euh, Mali, oui, c'est cool pour avoir fait un contact avec toi, c'était magique, tu as changé ma vie. Bah, merci, 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 merci. Marie-Hélène Brunner, parfois les défunts ne viennent pas, ça peut arriver. Soit ils ont une mission, alors je sais bien que ça paraît quand même dingue de se dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme mission Mais ben, oui, ils ont des missions de l'autre côté, euh, pareil, mais au début je trouvais ça bizarre aussi, mais effectivement, il euh, y a des défunts qu'on m'a montré, qui sont des... des, des, des des défunts qui s'occupaient euh, d'enfants. J'ai eu des défunts qui s'occupaient de jeunes ados euh, toxicomanes. Enfin voilà, ça peut arriver. Ils ont leur mission. Ils ont. S'ils estiment que leur mission est plus importante que de venir euh, discuter avec le proche, même si le proche en a envie, c'est le proche qu'en a envie. C'est pas le défunt qui en a envie. C'est le proche qui fait la démarche. Donc, et c'est pas le moment. Bah, ben, c'est pas le moment. Ça peut arriver effectivement. Yasmine qui dit, il faut que le défunt, le défunt décide, c'est, bon, il faut, c'est le défunt décide, on est d'accord? qui Emeline, pardon. Peut-on contacter plusieurs défunts durant un seul contact défunt? Alors oui, mais ça c'est un peu une nouvelle mode qu'on me demande. Alors, c'est possible. C'est très épuisant pour le médium. Faut quand même le savoir. Euh, vous, vous, alors. Par exemple, dans mes séances, on rigole, tout. Voilà, ça se passe bien. C'est vrai qu'on a souvent, j'ai souvent la chance d'avoir des défunts euh, qui sont, en, en, en comment dire, qui ont les mêmes énergies vibratoires que moi. Donc, c'est souvent gai, c'est souvent euh, joyeux. Mais quand il y en a plusieurs, le jour j'ai fait une séance avec quatre. Euh, là, franchement, je suis sortie, j'étais mortibus. Hein. Mais c'est pas. On peut faire deux, mais quatre, je ferai plus. Donc oui, on peut contacter plusieurs défunts, mais le but c'est quand même de vouloir contacter un proche dont on a vraiment envie de savoir s'il va bien. Je ne pense pas que vous ayez besoin de savoir si tout votre arbre généalogique va bien. Vous voyez ce que je veux dire Que vous ayez perdu un couple dans un accident, par exemple. Ok, on va se contenter. on va se on va se comment dire se connecter au couple s'ils sont décédés ensemble. Euh, là, j'ai j'avais là il y a pas longtemps euh, une maman qui voulait parler à son fils. On a parlé à son fils. Il y a le papa décédé qui est venu se présenter. Ben voilà, évidemment s'il se présente, je vais pas lui dire non. C'est tout à fait normal. Mais venir et m'envoyer quatre photos. Là, dans les derniers temps, j'ai été cool dans les guidances. On m'a envoyé des photos. Du coup, je fais des guidances contact défunt. Non. Là, je vais devenir un peu plus stricte et je vais dire non. Donc euh, deux maximum, euh, sinon on fait deux séances. Hein. Voilà, c je ne je, je peux pas euh, comme ça faire. Alors certains le font peut-être, mais moi, je trouve que ça me prend beaucoup trop d'énergie, tout simplement. Donc, peut-on contacter plusieurs défunts durant un seul contact défunt Oui, mais c'est pas conseillé pour le médium. <laughs> Alors, euh, Martine, s'il est incarné, tu peux avoir un contact avec son âme. S'il est réincarné, tu peux avoir un contact avec son âme. Alors oui, on peut. Euh, il faut savoir que même si on se réincarne, si un de vos défunts est déjà réincarné, alors c'est pas non plus la majorité. Il hein, faut le savoir parce que il faut quand même une certaine latence de, de, de ce que j'ai compris avant de se réincarner. Toujours est-il que l'âme qui correspond, alors on va dire à votre papa d'accord et rattaché à ça sa... comment vous expliquez ça il y a Mélanie Medium qui a fait une vidéo sur ça qui est très bien expliquée sur YouTube voilà vous avez votre âme vous votre âme votre euh, moi divin OK il est là-haut c'est une grosse boule d'énergie OK attaché à ça il y a toutes plein petites boules d'âme et tout ça c'est des parties de vous des parties de votre âme qui se sont déjà incarnées d'accord mais chaque petite boule d'âme a eu son incarnation son vécu avec des proches. D'accord Donc, quand vous vous réincarnez, vous revenez, c'est la prochaine qui part. Donc, on arrivera toujours à se connecter à l'âme résiduelle, si vous voulez, à cette partie d'âme qui vous concerne vous. D'accord C'est un peu compliqué à comprendre, mais oui, on peut euh, contacter quelqu'un qui s'est réincarné. Tout à fait. Yasmine, il faut que la vibration soit compatible avec le défunt. Exactement. Alors, euh... Francine, j'ai essayé par trois fois d'avoir un contact défunt, il y a toujours eu un problème et je n'ai jamais pu faire le contact. Je pense qu'il ne le voulait pas. Ben oui, à un moment, il faut l'admettre, c'est qu'il y a autre chose. C'est, Il faut trouver la raison du pourquoi. Pourquoi ils ne viennent pas Parce que déjà, tu as fait trois contacts défunts, tu as essayé trois fois, donc tu as eu trois médiums. À un moment, quand c'est non, c'est non, et ça… Il faut réussir à l'admettre. C'est qu'ils ont autre chose à faire ou c'est que toi, tu dois travailler sur toi pour avancer dans ta vie et pourquoi tu es attaché comme ça à ce défunt-là. Il y a des fois des choses. Euh, il faut un peu plus creuser. Alors. Martine qui nous dit je n'ai jamais fait de contact, mais les personnes que je souhaite contacter sont décédées depuis 40 et 20 ans. C'est toujours possible. Alors, déjà tout est toujours possible et je vais d'ailleurs faire là au mois de d'octobre et au mois de novembre deux expériences assez intéressantes qui j'espère vont euh, qui j'espère vont bien se passer mais je doute pas parce que après tout une âme c'est une âme euh, voilà déjà alors pour répondre à ta question décédé depuis 40 ou 20 ans ben, j'ai déjà fait Effectivement, j'ai déjà fait des contacts. Maintenant, comme le, le défunt se présente et euh, veut nous montrer comment il est habillé et comment il était de caractère pour qu'on le reconnaisse, faut quand même au moins l'avoir connu. Hein. Donc, s'il est décédé depuis 40 ans et que tu l'as connu quand tu avais 3 ans, donc j'extrapole. Je, mais voilà, là, ça va être plus délicat. Mais euh, bien sûr qu'on peut les contacter. Et donc, voilà les deux expériences qu'on me propose. La première, c'est une jeune femme euh, qui me demande, euh, bon c'est une expérimentation, mais ça m'intéresse, de contacter. Euh, quelqu'un qui est décédé en 1800, je ne sais combien, qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas de sa famille, mais euh, voilà, elle a fait des recherches, elle a besoin ça historiquement de faire un contact avec ce défunt là. Donc ça va être super intéressant de voir si j'y arrive à me connecter à lui. C'est pas tellement pour moi, c'est pour voir justement est-ce qu'on peut remonter comme ça loin. Donc euh, ça c'est intéressant. Et ensuite j'ai un ami qui aimerait vraiment, mais vraiment du fond du cœur, faire un contact défunt avec euh, son idole. Alors, je vous rassure, c'est pas de réalité Mais euh, voilà, avec euh, avec quelqu'un qui l'admirait beaucoup et qui est connu. Et m'a demandé si on pouvait. Je dis, ben, du moment que c'est une âme, connue ou pas connue, ça reste une âme. Donc, on va essayer. J'ai dit, mais est-ce que tu connais bien sa vie au moins Or, l'aspect euh, people que tout le monde connaît. Et il m'a dit, oui, je connais toute sa vie parce que vraiment, c'est un plus qu'une idole. C'est vraiment quelqu'un qu'il admire énormément. Donc, je vais essayer ça. Je vais tester de joindre, cette, euh, de contacter s'il le veut bien cet acteur parce que c'est un acteur voilà je pense qu'on fera ça au mois de novembre euh... alors qu'est- ce qu'on nous dit encore on peut avoir des contacts défunts tous les jours par le pendule alors marie-hélène quel intérêt si je peux me permettre ou son guide alors son gu... les guides c'est moins gênant hein mais contacter les défunts alors quel défunt si c'est tous les jours le même pas l'intérêt hein c'est mon avis. Donc on peut avoir des contacts défunts tous les jours par le pendule, bah des défunts, oui, oui, tu peux. Mais euh, pas tout le temps de même, parce que je pense qu'à un moment, il n'y a peut-être plus rien à te raconter, ou il y a peut-être autre chose à faire. Gaëtan, et si tu as deux défunts dans la lumière, dont un qui parle pas, et l'autre qui. et l'autre, oui, et qui l'accompagne partout? Eh bah, ben rien, tu fais avec. Moi, C'est ce que j'explique, ça aussi, il faut le savoir. On peut avoir une séance avec votre grand-père. Votre grand-père dans sa vie ici, bah ben voilà, c'était un taiseux qui disait rien, qui parlait pas, qui parlait que quand il avait bien envie de parler et qui parlait pas pour rien dire. Vous croyez vraiment que parce qu'il est de l'autre côté et que vous vous avez décidé de le joindre? D'un coup, ça va devenir un bavard Non, ils restent comme ils étaient. Tous nos défunts restent comme ils étaient, des fois avec leur caractère, avec euh, des fois des gros mots, on va pas se mentir. Euh, des fois, ils n'ont pas encore beaucoup travaillé sur eux-mêmes et sont encore un peu dans le jugement. Hein, C'est déjà arrivé aussi. Euh, voilà, ils sont comme ils étaient. D'accord Donc si tu dis, toi, Gaëtan, que tu en avais un dans la lumière, dont un qui parle pas et l'autre qui l'accompagne partout, bah oui, ne bah, m'étonne pas. Annick Bambour oui, mais cela, vous le voyez dès le départ, donc ça ne sert à rien de continuer la séance. Alors moi, quand je remarque qu'il y a, je parle pour moi maintenant, hein, quand je commence la séance et que je sens que ça accroche, que je sens qu'il y a un problème, je préviens tout de suite mon consultant, je lui dis, et je le dis même de toute façon toujours avant de commencer la séance, si je sens que le défunt n'est pas là ou que ça ne se fait pas, je reporte la séance une première fois. Euh, déjà, je vérifie si le défunt est bien dans la lumière. Souvent, je vérifie avant. Je le fais encore de temps en temps. Je ne le fais plus systématiquement. Donc, je vérifie si le défunt est bien dans la lumière. Si c'est le cas, eh ben, c'est qu'il y a un autre souci. Donc, on décale le rendez-vous. C'est qu'il avait peut-être pas envie de parler aujourd'hui. C'est peut-être qu'il y a un problème autre à résoudre d'abord. Ensuite, si euh, il n'est pas dans la lumière, eh bien, évidemment, là, je passe à Yann et je lui demande de faire passer ce défunt et on reporte la séance à un ou deux mois plus tard. Pour justement essayer de se reconnecter à lui. Généralement, ça fonctionne bien comme ça. Et quand vraiment les gens se disent bon bah c'est qu'il veut pas être dérangé parce que peut-être qu'ils le savent intérieurement, et eh ben on transforme le rendez-vous qui était prévu en guidance tout simplement. Ça peut arriver aussi. Mais euh, de mon point de vue perso, euh, je vais pas vous dire bon bah je prends les sous, allez au revoir, euh, il est pas venu, tant pis, on a fait que cinq minutes de guidance, de, de contact, hein, ça je fais pas alors laurence qui nous dit peut-on avoir un contact défunt avec une personnalité célèbre du showbiz même si elle n'est pas de notre famille mais ça répond à la question je te dis je vais le faire au mois de novembre donc euh, on verra mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver il n'y a pas de raison euh, une âme reste une âme maintenant si c'est vraiment juste euh, J'imagine qu'il y en a des milliers et des milliers aux États-Unis qui ont dû le faire avec Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe ou, ou que sais-je, ou, ou Kennedy pour savoir s'il si, si y avait un complot, euh, Lady Di pour savoir si elle a vraiment été euh, l'objet d'un attentat ou pas. Enfin voilà, vous voyez, il faut que ça soit bienveillant. Il ne faut pas que ce soit pour euh, justement encore faire du people. N'oubliez pas qu'une fois qu'ils sont décédés, qu'ils sont de l'autre côté, euh, ils ne sont plus people, ce sont des âmes qui ont vécu, des expériences très intenses sur Terre. Mais voilà. Mais là, c'est différent. C'est un ami, vraiment, alors je vais vous le dire, euh, il aimerait contacter Louis de Funès. Parce que vraiment, il a une admiration sans bornes pour, euh, pour Louis de Funès. Et, euh, et voilà. Donc on va essayer, on verra bien si on arrive à le contacter. Pourquoi pas. Alors. Euh... Florence Cornelou qui nous dit oui, j'ai pense à Nos solars pour mon chéri cet après-midi. Ouais, non mais alors oui Florence, tu me, nous parle à cause de la photo que tu as postée où on avait du mal à avoir euh, un ressenti sur ton mari, mais il était tout simplement pas passé, Yann l'a fait passer cet après-midi. On s'en est rendu compte quand on est on a regardé la photo. Euh, donc ne t'inquiète pas, Nos Solars est un excellent film, Nos Solars, notre demeure hein, si certains ne connaissent toujours pas, c'est un excellent film. Toutefois, Toutefois euh, c'est un chouillard romancé quand même avec euh, le seuil qu'on nous montre c'est juste pour nous montrer que quand on est vraiment dans des endroits qu'après être passé et qu'on est vraiment mal avec soi-même qu'on est dans le noir qu'on est dans le dans la, la plus grande détresse si on se tourne vers la lumière n'oubliez pas ça dans le film je pense que quand même vous avez compris qu'à un moment il se tourne vers les guides et qu'il prie et c'est là qu'il est entendu et que les guides viennent le chercher. Donc, la métaphore est là. Tu peux être dans l'endroit le plus dégueulasse, le plus noir. Ça, 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 en fait, ça symbolise la métaphore. Elle est sur nos sentiments, sur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, si on est là-dedans et qu'on se tourne vers la lumière, j'ai pas dit qu'on se tourne vers Dieu, je n'ai pas dit qu'on se tourne vers la prière ou la religion, mais qu'on prie, qu'on demande de tout son cœur à être aidé, c'est là qu'on évolue et c'est là qu'on vient nous aider. D'accord? C'est ça, la métaphore qu'il faut comprendre dans le film, Florence. Faut pas le prendre au premier degré. N'oublie pas que c'est une canalisation d'un médium et que euh, ils en ont fait un film. Donc, bien que ce film pour moi soit vraiment top et, et magnifique, il y a quand même des choses. Moi, j'ai vu dix fois et j'apprends encore des choses en le regardant. Parce que plus j'apprends dans mon travail, plus j'apprends euh, à comprendre ce genre de, de film et donc je comprends mieux certaines choses. Donc, rassure-toi, il euh, n'y a pas de, comme dit, de, de, de base astral. Euh, bien glauque, euh, voilà, comme ça, où on boit la boue et tout ça. Hein. D'accord Sois rassuré. Yasmine qui dit qu'elle a intérêt d'avoir un contact défunt avec une personnalité si elle n'a pas besoin, et ne nous connaît pas. Ben, ce n'est pas euh, la personnalité qui aura besoin, Yasmine. Quand on fait un contact défunt, tu es bien d'accord que ce n'est pas le défunt qui a besoin de nous. C'est nous qui allons vers le défunt. Là, c'est vraiment juste, on essaye en toute bienveillance et avec beaucoup de respect. De la part de mon ami pour le, cet acteur et de ma part parce que vraiment aussi c'est vraiment c'est pas une expérimentation pour faire du sensationnel c'est juste parce que voilà il aimerait savoir s'il peut le contacter parce qu'il a quelque chose à lui demander parce que voilà je vais pas tout raconter là il a juste besoin de savoir si on peut le contacter j'ai dit que j'allais essayer tout simplement donc OK, effectivement, il ne nous connaît pas, mais je pense que beaucoup 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 de médiums se sont amusés à, à euh, comment dire euh, canaliser des des balavoines, des des Johnny, des enfin voilà. Je pense qu'il y en a plus d'un qui a tenté. Je sais pas si ça a marché ou pas, mais enfin voilà. Moi, c'est vraiment juste en toute bienveillance et par respect pour mon ami, essayer de et par respect surtout pour l'acteur de voir si on peut effectivement communiquer ou pas. Mais euh, c'est pas pour du sensationnel, rassure-toi. Alors, Mali qui nous dit est-il possible qu'il y ait une barrière de langue lors du contact euh, Alors, écoute, j'ai eu encore cet après-midi une défunte euh, d'origine kabyle qui avait beaucoup de mal à s'exprimer, qui m'envoyait beaucoup de choses par les pensées que je n'entendais pas beaucoup. De temps en temps, elle a dit des phrases que Safia a reconnues tout de suite, mais euh, voilà, pas vraiment de barrière de langue. J'ai déjà fait un contact défunt avec euh, un papa portugais. Alors, je comprenais parce que voilà, ça marche avec l'énergie, les vibrations. <coughs> Excusez-moi. Euh, ça marche avec les énergies, les vibrations. Je comprenais ce qu'il disait. J'arrivais à le formuler moi à sa fille en français, bien évidemment, et de temps en temps, bah ben, il y avait un mot qui sortait en portugais que je ne connaissais pas, mais que apparemment, de la manière dont je l'ai répété, euh, était euh, compris par sa fille. C'est le plus important. Donc barrière de langue, il semblerait que non, vu que euh, la langue appartient euh, au terrestre Une fois de plus, il nous envoie des émotions, des mots, et que c'est tout est vibratoire. Donc euh, on entend certes. Mais euh, on entend euh, dans notre tête, dans notre cœur, c'est pas hum, c'est là que c'est compliqué à expliquer des fois la médiumnité. Pour répondre à ta question, est-il possible qu'il y ait une barrière de l'angle lors du contact Ma réponse c'est non. Voilà. Parce que souvent, j'ai des défunts qui ne veulent pas parler, mais qui me disent beaucoup plus de choses sans même ouvrir la bouche. Sandrine Jouveau me dit c'est quoi un instructeur de l'autre côté du vol pour toi. Un instructeur Je sais pas. C'est un guide J'en sais rien. J'ai jamais entendu cette expression, Sandrine. Un instructeur Je sais pas. Je ne sais pas, désolée. Hop, je me suis nouveau mise à l'envers, pardon. Alors, quelle heure il est Ah oui, il est déjà 8h30 quand même. Euh, alors... Ma pauvre Sandra, notre souffrance nous fait oublier ton bien-être. Désolé, mais non, t'inquiète pas. Si vraiment je je suis euh, je peux pas, je le dis. Hein. Donc euh, et, et si c'est trop lourd pour moi, je le dis en guidance. Hein. Des fois c'est vrai, j'aime pas le dire, mais si vraiment c'est trop, je le dis. Yasmine qui dit bibliothèque. Ah ça bibliothèque. Yasmine, n'y pas compris. C'est la fin de la phrase de quoi? Catherine Henriette Bonneau qui dit notre ange de naissance nous suit toute notre vie ou pas alors ça c'est encore autre chose alors les anges il paraît enfin il paraît oui enfin, je veux bien adhérer à, à ça qu'il y a des anges euh, euh, par jour moi bon, le mien ce serait mon mien d'après ma date de naissance et euh, et mon heure de naissance mais je, très sincèrement je lui parle pas plus que ça je parle à mes anges mes guides donc l'ange de naissance nous suit toute notre vie ou pas je suis pas assez calée au niveau ange et pourtant Dieu sait que je leur parle mais je leur parle dans leur généralité. Donc euh, je suis plus proche de mes guides, on va dire, que de mes anges. Donc je pense qu'il faudrait aller voir euh, demander la question à je crois qu'il y a une jeune femme qui sur Facebook qui s'appelle Karine Angélothérapie si je me trompe pas, on peut-être lui demander. Moi je sincèrement, je sais pas. Je pense que c'est un peu le principe des guides. Je sais pas. Alors, Josiane qui dit bonjour, Sandra, tu expliques trop bien. Ah, bah, ben, merci. J'essaye, hein. <laughs> J'essaye. Là, je commence un peu à fatiguer, je hein, Je vous cache pas. Martine Fouque, non, lol, 40 ans, c'est mon papa sort parti trop tôt. J'avais 13 ans. D'accord. Oui, mais si tu l'as connu et que je... il se décrit avec euh, des détails, si arrives à le reconnaître, oui, bien évidemment qu'on peut. De toute façon, on peut. C'est pas le problème. On peut. Il euh, faut savoir que le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc ils sont partis euh, il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans, ça change rien. Euh, Maria Rousseau. Ah bah ben voilà Maria Je peux vous parler bonsoir à vous Sandra et à tout le monde. Bah ben voilà, elle envoyé un message en disant qu'elle pouvait pas. Euh, ta 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 ta, il me semble que Sonia Marie... Hein Sonia il me semble qu'un de mes défunts veut me passer un message. Je ne sais pas de qui il s'agit. Du coup, la séance est-elle possible? Mais oui, Sonia, alors vous raconter avec Sonia, c'est quand même faux le cloud. Des fois, il se passe des trucs, je vous assure. Si on pouvait tout filmer et tout diffuser, pardon, je filme tout. Si vous saviez, j'ai des centaines et des centaines de vidéos de vos séances que je stocke, euh, voilà, parce que vous avez le lien et tout le monde ne le télécharge pas, sa vidéo, donc moi je les garde quand même. Euh, J'ai des centaines et des centaines depuis euh, maintenant, euh, C'est depuis quand je filme, depuis au moins deux ans, euh, à raison de trois séances, euh, et on, il y a cinq jours dans la semaine, je fais au moins quinze séances par semaine, ah, croyez-moi j'en ai un. Hein. Et on a fait une séance avec euh, Sonia Marie, c'était censé être un coaching. Euh, magnétisme parce que voilà je fais ça aussi pour les gens uniquement dont je sais qu'ils ont du magnétisme c'est moi je fais pas de la formation euh, euh, pour apprendre hein, d'accord c'est vraiment un coaching magnétisme euh, aux gens dont je sais parce que les guides me l'ont dit euh, qu'il y a du magnétisme à ce moment là on a fait un petit coaching et alors mais impossible de se parler impossible. Il y avait du bruit, il y avait des interférences, il y avait des coupures, il y avait des... des... C'était, mais franchement, on en a ri, hein, tellement c'était compliqué. Elle sentait qu'il y avait quelqu'un près d'elle. Moi, je sentais aussi. Enfin, ils nous ont tout fait pour qu'on parle pas de magnétisme. C'était un truc de fou. Du coup, euh, on, a, on a compris qu'il y avait un défunt près d'elle, que peut-être même euh, elle pouvait être passeuse d'âme ou médium. Donc, on va reparler de ça. On a fixé un rendez-vous et on espère vraiment... Que, euh, on espère vraiment que, que les défunts vont être là pour nous expliquer ou les guides tout au moins vont dire ce qu'ils attendent d'elle parce que c'était surréaliste cette séance il y en a de temps en temps comme ça mais qu'est-ce qu'on rigole parce que là on voit à quel point ils sont là tu dis tu racontes ça à quelqu'un il te le croit pas mais bon voilà alors euh, martine est ce que je vois qu'il y a toujours les deux mêmes qui posent des questions est ce que tu as eu des contacts défunts qui ne croyaient pas au contact défunts de leur vivant oui ah oui souvent ah souvent. Bien sûr qu'il y a souvent des des, des... Alors c'est souvent euh, des messieurs <laughs> et souvent des personnes âgées qui ont été pardon, qui ont été élevées religieusement et voilà qui ont un petit peu qui croient au paradis mais là du coup de discuter avec les 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 défunts ça leur échappe un petit peu ou alors des fois j'ai des mamies qui comprennent pas comment ça se passe et euh, qui qui viennent toutes hésitantes comme ça. Euh, je, parle des, je parle des décédés, hein, je parle pas des vivants. Hein. Euh, donc oui, j'ai eu beaucoup de défunts euh, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient communiquer ou qui n'y croyaient pas de leur vivant, tout à fait. C'est d'ailleurs assez drôle des fois. Alors, euh, on va faire euh, court, hein, parce que... Alors, j'espère avoir une belle séance avec toi prévue, j'espère. Moi, je fais, je donne mon meilleur. Hein. Je, je donne ce que je peux, ce qu'on me donne. Maria Rousseau, vous inquiétez pas. Euh, je suis nouvelle sur votre page. Euh, le replay, je répète, restera. Enfin, euh, le, le, la séance, reste, le, le direct restera en replay. Vous tu savez, sais, quand je commence comme ça à bugger. C'est que la canalisation commence à fatiguer. Là, ça fait une heure et demie. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dites qui sont de moi. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dites qui sont aussi dictées par mes guides. Ça, c'est quand je parle très vite et très fluide. Et là, quand je commence à bugger comme ça, c'est que je commence à, à fatiguer tout simplement, sachant que j'ai fait, j'avais mes séances aussi aujourd'hui. Euh, Annick, tu peux m'expliquer comment, sans une photo, on peut faire une médiumnité Cette chose me perturbe. Alors, ça, c'est quand tout simplement, euh, alors. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas où le défunt va de toute façon un petit peu être dans tes énergies autour de toi. Et là, on va le capter, on va comprendre que c'est. On aura le ressenti. C'est une femme, c'est un homme. C'est côté maternel, côté paternel. Voilà. C'est lui qui s'impose et on arrive à savoir qui c'est. D'accord euh, C'est pas toujours obligé que cash, ah beau. Bon, allez. Oh bah tiens, je vois votre maman. C'est pas toujours. On va dire, je vois une femme. Je. Vois, euh, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a les cheveux comme ça. Voilà. Mmh, D'accord. Donc ça, c'est une chose. Ensuite. Euh, euh, par exemple, quand je fais des guidances, il m'arrive très souvent de ne pas avoir les photos. Je demande le prénom. Voilà. Par exemple, quelqu'un veut me parler de sa fille, de son mari ou n'importe euh, décédé. Euh, je dis :« Quel est le prénom ?» Et quand on me donne le prénom, il y a une connexion qui se fait. Voilà. C'est mon âme qui se connecte. Vous savez, moi, des fois, j'essaye même plus trop de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Euh, et j'arrive à avoir le ressenti. Et paf, la, la, le défunt se présente. Voilà. Donc. Cette chose te perturbe peut-être, mais elle est possible. On n'est pas obligé d'avoir une photo. Si le défunt a assez d'énergie pour euh, chercher à te, à communiquer avec toi, voilà, il sera là, il se présente et puis euh, ça fonctionne aussi. Moi aussi, au début, ça, je me suis rendu compte une fois que j'avais fait un contact, je me suis dit, mais j'avais même pas de photo, j'étais scotché moi-même, mais voilà. Si ça doit se faire, ça se fait, hein, tout simplement. Alors. Laurence, c'est le même cas de figure, le médecin ne s'était pas soigné dans le film. Oui, c'est un suicide quand on ne soigne pas. Là, moi qui fume, qui suis asthmatique, qui tousse comme une déglingose et qui n'arrête pas de fumer, c'est un suicide aussi. Voilà, c'est le même cas de figure. Je sais, mais c'est en notre âme et conscience, c'est notre libre arbitre, on fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on va être dans le seuil, dans le bas astral, parce qu'on on s'est fait du mal. Ce n'est pas vrai, ça dépend de l'incarnation, ça dépend de notre évolution, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, ça aussi, euh, un défunt, combien de temps il faut attendre Moi, j'ai fait un contact défunt avec un défunt qui était en train de décéder. C'était un truc de fou, c'était surréaliste. Comme j'ai pu faire des contacts défunts avec des défunts qui étaient partis depuis 20 ans et qui n'avaient pas envie de venir. Donc comme quoi, ça ne veut rien dire, ça dépend l'énergie du défunt et de son évolution à lui spirituelle et énergétique. Il faut le savoir. Yasmine qui dit ce n'est pas pour ce contact que je dis ça, mais un contact défunt doit amener à une aide au consultant. On est d'accord, on est d'accord que ça doit être une aide et que ça ne doit pas être euh, quelqu'un qui veut euh, appeler tout son arbre généalogique. On est tout à fait d'accord Yasmine. Là après, voilà, c'est un cas de figure. Hein, euh, ça m'intéresse aussi de voir si effectivement on peut, on peut joindre. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut que ça apporte une aide. Euh, appeler pour appeler, c'est pas un coup de fil. On est d'accord. Euh, Christian, désolée de me connecter un peu tard, mais désolée de rien. Tu viens quand tu veux. Guide et c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Alors, on va pas... Commencer à t'expliquer la hiérarchie céleste, c'est un peu compliqué. Euh, les anges, les archanges, la cabale, tout ça, les guides. Les guides, c'est la, la différence. Ça, c'est juste une chose. Euh, les guides ont été incarnés. Enfin, c'est mon point de vue. C'est moi que ça regarde. Les guides ont été incarnés et euh, ont vécu des choses comme nous et peuvent mieux nous comprendre. Donc, les guides, voilà, ont été humains. Les anges, non. D'accord, à part les archanges, métatron et Sandalphon qui ont été incarnés, mais autrement euh, voilà, un, un guide peut mieux comprendre ce qu'on vit étant donné que il est déjà passé par là. Par contre, il a tellement bien évolué dans toutes ses vies, il a tellement bien fait tout ce qu'il fallait, il a pardonné, il a euh, voilà, il a tout vécu, il a tout expérimenté, et ben du coup, c'est un guide. Voilà, pour nous résumer alors Catherine, oui voilà, moi c'est Nanaël, donc faut plus parler à nos guides et comment faire pour connaître son nom. Ah mais je l'ai dit avant. J'ai expliqué tout à l'heure, ça sert à rien du tout d'avoir son nom. Je t'invite à regarder le, le direct en replay. Ah, Yasmine, accès à la bibliothèque de l'âme, même s'il y a réincarnation. Voilà, voilà ces fameuses anales, les annales akashiques euh, voilà où tout est stocké le, le disque dur de chacun je suis entièrement d'accord tout à fait j'avais pas compris que tu parlais de ça mais oui oui c'est ça Nelly Casadei bonsoir j'aime beaucoup ce que ce que tu fais je me permets de te tutoyer je t'ai découverte cet été et j'aime aussi beaucoup beaucoup ce que tu fais T'as une chaîne YouTube intéressante et j'adore ta voix surtout alors les analakachics, c'est la bibliothèque de nos mémoires, de nos vies antérieures. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, on est tous stockés. Mais je voulais pas expliquer aux gens ce qu'étaient les annales akashiques, mais euh, voilà, ces petites boules d'âme euh, qui font euh, notre âme au final, euh, qui nous sommes euh, dans le grand tout. Donc voilà. Donc les enfants, je vais là il est 39, je vais finir à 45, je coupe parce que là même le replay sera long à écouter pour vous, sinon ça va vous saouler. Euh, je comprends rien et ne me réponds pas, donc je vais vous laisser à bientôt tout le monde. Bon bah pas de souci Maria. Euh, tu es très claire beaucoup Sandra. Bah, avec plaisir Nina. Merci pour ton live. Vos explications sont très claires. Bah, super. Euh, alors oui, il y a une question intéressante à Marie Christine. Ah Marie Christine Prieur, les défunts peuvent se manifester avec des odeurs. Oui tout à fait, tout à fait. Ils peuvent alors, des odeurs de fleurs, des odeurs de tabac, euh, euh, tout à fait, bien sûr. Même des odeurs de cuisine. Hein. Donc euh, oui, les un défunt peut. Euh... Moi, ça m'était jamais arrivé jusqu'au un soir où je seule avec mon mari dans mon salon et j'ai. Mais c'était trop. Mais c'est sur le coup, c'est Je trouve que c'était la limite plus flippant que de les voir euh, quand je les vois dans ma tête les défunts. J'ai l'habitude maintenant. C'est peut-être ça aussi hein, qui fait que ça me entre guillemets ça me fait plus rien mais de sentir l'odeur du parfum de maman, comme si elle venait de quitter la pièce, alors là j'avoue que j'étais un peu déboussolée. Hein. Et Dieu sait qu'il nous arrive des trucs hein, entre les néons qui clignotent, les, les machins qui font psi tout le temps, et les bougies qui tac-tac-tac discutent avec nous. Mais là j'avoue que l'odeur, c'était vachement parlant et c'était très troublant. Donc oui, les défunts peuvent se manifester avec des odeurs, tout à fait. Donc parfum, de fleurs, de tabac, de cuisine, euh, oui. Alors... Christia, j ai, j ai, Christine, j'ai expliqué au début, euh, toujours la crainte en ce qui concerne de différencier les paroles du défunt et de notre mental. Non, mais t'inquiète pas. Faites-vous confiance, les enfants. Si vous ne vous faites pas confiance à vous, faites leur confiance à eux, tout simplement. Tout simplement. Coucou, Nathalie. Euh, les défunts peuvent-ils prédire l'avenir? Non. Ils peuvent, oui, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'ils sont là. Donc, aucun intérêt de déranger un défunt pour savoir votre avenir. Oui, ils sont trop forts. Ils viennent de me flinguer l'ordi. Je n'ai plus d'ordinateur. Et il ne s'est pas mis en veille. On était en train d'expliquer comment ils peuvent se manifester. Boum, je n'ai plus rien. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour. Aucun signal, l'alimentation. Paf. Ils sont trop forts. Bref. Alors, ah, ça y est. Euh, comment peuvent-ils évoluer de l'autre côté Bah, écoute, ils ont des missions. Ils ont des choses à faire. Très sincèrement, je ne sais pas tout encore et j'espère bien euh, apprendre encore au fur et à mesure. Tout ce que je sais, c'est que des fois, effectivement, ils ont des missions où on me montre qu'ils s'occupent, euh, comme dit, de gamins. Euh, La dernière fois, c'était des jeunes toxicomanes. Une autre fois, c'était un grand père qui s'occupait des tout petits enfants, euh, des, des tout petits qui étaient des, des enfants donc euh, décédés très très jeunes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je, je ne sais pas du tout euh, autrement comment. Euh, je ne sais pas du tout autrement comment il fonctionne. Voilà. Alors j'espère qu'il n'y a plus trop de questions. Je vais vous laisser pour ce soir. Il ne faut pas non plus que ça vienne... Euh... Il ne faut pas non plus pour vous que ça devienne barbant à écouter. Si vous écoutez en replay, vous dites que ça n'en finit plus. Euh, donc je pense que pour ce soir, euh, on va s'arrêter là. Lundi soir... Je suis un nouveau direct avec Maude, donc ici sur mon profil euh, direct avec Maude sur la loi d'attraction. On a appelé ça la loi d'attraction. Euh, il est où le bonheur <laughs> Comme ça, euh, comme ça, euh, voilà. On pourra discuter de la loi d'abondance. Euh, Qu'est-ce que c'est que le bonheur Pourquoi on cherche des fois bien loin alors qu'on l'a sous le nez euh, Et comment attirer à soi les bonnes choses les bonnes choses, je dis les bonnes choses, ça va plus, Il faut que j'aille me coucher. Donc, euh, je vous donne rendez-vous lundi soir sur mon profil, Maud sera donc en invité, euh, on le fera à deux. Euh, je vous rappelle donc que je fais une conférence le 21 octobre avec euh, Johan Medium chez nous ici, après euh, de Strasbourg, et le 30 septembre avec Ethan mort toujours à Strasbourg, d'accord Voilà. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Je suis désolée qu'il qui est encore des questions qui n'ont pas eu de réponse. On en reparlera une autre fois. Mais voilà, je ne peux pas. Euh, je resterai des heures comme ça. Mais là, je suis un peu fatiguée. <laughs> Salut, suite. <Yasmine. rire> voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous remercie vraiment pour votre confiance. Vous avez été nombreux à suivre ce live. J'espère que vous serez nombreux à le partager, à le regarder en replay. Je le laisse euh, en public. Euh, voilà. Il apportera à chacun ce qu'il a besoin de savoir. Ce n'est, je le répète, que ma vérité. En aucun cas, je ne vous l'impose. Euh, il faudra que ça parle à qui à qui ça résonnera, tout simplement. Et euh, je tiens juste encore à préciser, avant de clôturer, que peut devenir médium à n'importe quel âge, à n'importe quel moment dans sa vie. Ça s'appelle tout simplement l'évolution spirituelle. N'en déplaise à certaines personnes euh, qui euh, ont un gros problème avec ça et qui s'amuse à me à afficher partout sur internet en écrivant que je suis une grosse charlatan et une grosse arnaqueuse étant donné qu'il y a trois ans je n'étais absolument pas médium chose que je revendique haut et fort je suis médium effectivement euh, depuis trois ans mais nous sommes tous médiums euh, en nous nous sommes tous un esprit sauf qu'on ne s'éveille pas tous à la même date certains c'est euh, dès la naissance d'autres c'est plus tard donc voilà, je voulais juste faire un clin d'œil à cette personne si jamais elle devait regarder ce direct, ce qui m'étonnerait, mais bon, euh, voilà, il n'y a rien du tout d'anormal à être euh, à être médium en cours de route, façon de parler. Voilà, à bon entendeur, salut. Moi, je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance, et euh, je vous aime très fort pour ce que vous m'apportez. J'espère vous apporter tout autant, et je vous dis euh, à demain. Et à lundi pour un nouveau direct. Ciao, ciao